d'occasion. C'est ça. Des échanges. Non, mais d'accord. Après, dans la commission. Un, deux, trois. C'est bon côté sono? C'est bon côté image? Si, il est 30. Monsieur Soleil, est-ce que vous pouvez vous installer qu'on démarre ce conseil à l'heure? Bonsoir à toutes et à tous. C'est chauffé, hein, monsieur Pommery. Vous pouvez vous tranquillement vous... J'essaye d'éliminer l'opposition par le froid, vous voyez où j'en suis réduit. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bah, peut-être qu'il y aura des dégâts collatéraux, monsieur Consdorff. Je passe sans attendre la parole à Madame Charpentier. Je demande à tous ceux qui sont porteurs de pouvoir de bien vérifier qu'on est à jour de cotisation, notamment côté opposition, parce qu'il y a eu, là pour le coup, malheureusement, le Covid a frappé. Donc, Madame Charpentier, normalement, les infos à jour, mais on vous demande d'être attentif. Madame Charpentier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Alors, Richard Delepierre. Présent. Violaine Charpentier. Présente. Benoît Ribert. Présent. Louis-Marie Soleil. Présent. Véronique Siadou. Attends, je vais... Non, oui. Véronique Siadou. Christophe Consdorff. Présent. Martine Bélier. Présent. Jean-Louis Jarige. Présent. Aline Théménides. Présent. Philippe... Alors, Phil Collins a donné son pouvoir à moi-même. Marie-Laure Majou. Présent. Bah... On n'a pas de pouvoir, moi. Bon, alors donc... Alors, qu'est-ce que je fais? On attend que vérifier, mais... Voilà. Ok. Anne Testu. Gilles Bertin, Claude Joriot a donné son pouvoir à Tanguy. Marie-Thérèse Kelly, Dominique Forget a donné son pouvoir à Monsieur Soleil. Marie-Claude Chevrier a donné son pouvoir à Monsieur Jarige. Jeannine Bataille, présent. Patrick Berthomé a donné son pouvoir à Monsieur Rospini. Jean-Michel Vengère est là. Tanguy Odic de Carnen est là. Géraldine Arenschneider est là. A donné son pouvoir à Madame Théménides. Frédéric Darentière, il est là. Valérie Jeannequin est là. Agathe Méry a donné son pouvoir à Madame Bélier. Joséphine Parmentier est là. Martial Prado, là. Camille Ribert. Jean-Christophe Voiseux. Marc Sévely a donné son pouvoir à Madame Siadou. Lucie Loncle Duda est là. Marie-Cécile Godot est là. Frédéric Crospini. Tchoc, tchoc, tchoc. Jean-François Pommery est là. Maurice Tollier a donné son pouvoir à Madame Alquier. Madame Alquier est là. Karine Lemélie a donné son pouvoir à Madame Fauvel. Fabrice Tabary est là. Brigitte Fauvel. Guillaume de Châtelet a donné son pouvoir à Monsieur Pommery. Stéphane Gors n'est pas là. Donc, pas excusé. Dorothée Bigerella et Caroline Ocringer non plus. Voilà, voilà, monsieur. Merci. Est-ce que le quorum est atteint? Je me tourne vers l'administration. Normalement, le compte doit être bon, mais merci de me dire que c'est OK. Merci. Je vous demande de bien vouloir approuver donc la mise à l'ordre du jour d'un dossier urgent qui va consister en la cession du magnifique... bungalow, mobilhome, je ne sais pas ce qu'il faut dire, qui se trouve à l'entrée du club de tennis, qu'on pensait vendre pour le prix de la ferraille et qui fait l'objet d'une offre qui dépasse les seuils pour lesquels j'ai délégation. Donc on passera cette délibération en urgence tout à l'heure pour ne pas perdre l'opportunité de cette vente. Rien de grave, mais dans ce sens-là, c'est plutôt pas mal. Donc s'il n'y a pas d'avis contraire, on peut considérer que ce point est abordé, adopté à l'unanimité. Je passe à la délibération numéro 3, approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 24 novembre. Est-ce que ce procès-verbal appelle... Oui, madame Bilger, pardon. Permettre d'intervenir une seconde avant le conseil. Oui. Non, je voulais simplement revenir sur ce conseil à 17h30.
C'est un petit peu compliqué, là, quand même. Donc, mes deux colistiers n'ont volontairement pas donné de pouvoir, parce qu'ils considèrent que là, on est limite du déni de démocratie. Je suis désolée. Mais surtout dire que c'est pour que les agents puissent assister au match. On est tous très contents d'assister au match. Mais il était beaucoup plus simple de changer d'heure, parce que vous doutez bien que pour tout le monde, c'est très compliqué. Je rajouterai par ailleurs qu'au niveau des commissions, nous nous arrangeons pour venir en commission qui sont toujours la semaine avant le Conseil. Que cette semaine, il y a eu des commissions dans tous les sens, c'est très bien, mais c'est ingérable. Je suis désolée, mais on fait une soirée, on fait des commissions, mais pas des commissions dans tous les sens. Je vous le dis franchement, ça devient très compliqué. Merci. Bien, alors je vais revenir sur le déni de démocratie. Je pense que le propos est pour le moins excessif. Il n'y a aucun déni de démocratie. La preuve, on est quand même tous là. Ensuite, je vous laisse imaginer ce que j'aurais entendu si j'avais maintenu le conseil à cette heure-là, sachant que la date de la demi-finale était quand même connue depuis longtemps. Donc, on va s'épargner. Je vous rappelle que le jour, il a été choisi parce qu'on essaie d'épargner les programmes culturels de la ville. Donc, à un moment, l'équation, elle est un peu difficile. J'assume pleinement le choix qui a été le mien d'anticiper sur cette date. Je ne savais pas à l'époque que la France est en demi-finale. Il se trouve que je pense que j'ai eu plutôt une bonne intuition. Après, voilà, je vous laisse juste de ce qui relève ou pas du déni de démocratie. Les délais de préavis ont été respectés et il y a beaucoup de conseils municipaux qui se tiennent dans des villes à ces heures-là. Voilà, donc ça, c'est pour la parenthèse. Pour ce qui est des commissions, puisque vous évoquez le sujet, il y a suffisamment de récriminations de la part des élus, majorité, opposition, récriminations fondées sur le fait qu'ils n'ont pas assez d'infos sur un certain nombre de sujets. Non, je termine, Madame Milger, je termine. Et donc, à un moment, on a programmé les délibérations qui avaient un impact sur la délibération finance avant, et on a pris le temps d'organiser les délibérations après. Voilà, après je dis, j'oblige personne à venir en commission. Voilà, la terre continue à tourner, mais au moins je n'entendrai pas la critique qui consiste à dire on n'a jamais d'infos sur rien. Voilà, donc après le monde n'est si pas parfait. Si il y a des horaires et à des moments où on peut pas venir, voilà. C'est presque de l'hypocrisie là. Pour non, c'est pas l'hypocrisie. Je peux pas me faire de mauvais procès là-dessus. Je reviens donc au point 3 de l'ordre du jour et sur l'approbation du procès-verbal de la séance du 24 novembre. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Si pas de souhait d'intervention, je propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, merci. Délibération numéro 4 concernant la DM numéro 1 sur le budget annexe de location d'emplacement de stationnement pour l'exercice 2022. Je passe la parole à Monsieur Soleil. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Je préfère vous avertir au début, je vais essayer d'aller vite. Donc sur celle-ci, c'est donc une décision modificative qui touche au budget annexe des emplacements de stationnement. Elle est simplement justifiée par le fait que nous avons remboursé une caution en 2014 qui n'a pas été suivie de l'acte administratif qui convient. Donc il faut rectifier sur le plan strictement administratif cette prise en compte de charges, ce qui justifie une décision modificative pour pouvoir la prendre sur le budget 2022 pour un montant de 99,13 €. Pas de souhait d'intervention, des votes contre, abstention à l'unanimité, merci. Délibération numéro 5, AELM, autorisation d'engager l'équité mandatée numéro 1 sur le BP de principal pour l'exercice 2023, Monsieur Soleil. Donc vous maîtrisez maintenant parfaitement le principe des AELM. Il s'agit d'autoriser des dépenses au début de l'année 2023, avant le vote du budget qui aura lieu le 13 avril 2023, pour permettre aux services de travailler sur des sujets qui sont plus ou moins urgents, mais pas forcément urgents, parce qu'il y a des choses qui se passent durant toute l'année, et si on évitait de pouvoir engager pendant tout un trimestre, ça nous mettrait dans des difficultés opérationnelles certaines. Donc là, vous avez une liste tout à fait détaillée. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit essentiellement... Alors, je rappelle aussi que le montant des crédits qu'on peut atteindre en AELM représente 25% des crédits ouverts l'année précédente, déduction faite du remboursement de la dette et des dépenses imprévues. Pour nous, cette année, ça représente 2 228 891 €. Donc, c'est le montant qu'on ne peut pas dépasser pour le total des AELM. Et donc, ces AELM concernent des travaux de voirie, des travaux de rénovation de l'éclairage public pour lequel on vous présentera un projet plus complet un peu plus tard. Tout ce qui est contrat d'entretien, éclairage public et puis chauffage, donc ce qu'on appelle les P3, P4, G3, G4, là. Donc c'est la maintenance, l'entretien courant de nos équipements. Des travaux, vous vous souvenez qu'on a parlé d'un plan de maintenance un peu amélioré pour la piscine, qui suppose en particulier des travaux un peu spécifiques de
de contrôle de la toiture de l'intérieur au moment où on va faire l'arrêt des vacances de février. C'est prévu aussi là-dedans, puisque ça aura lieu en février. Des réaménagements de locaux HDV2, des travaux d'enfouissement dont on va vous parler tout à l'heure. Et en fait, ce qu'il faut mettre dans la EELM, c'est en particulier le montant des acomptes qu'il faut verser au CIGEF, qui représente 30% des factures à charge de la ville, etc. Vous avez aussi des logiciels pour l'informatique, parce qu'on se doute que l'informatique doit continuer à tourner, même au premier trimestre. Voilà. Et le montant global se monte à 1 789 164 euros. Et vous en avez la liste tout à fait détaillée en annexe. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cet EELM, sur le budget principal ? Madame Alquier. Oui, merci. Bon, si c'est effectivement une délibération classique, il faut bien qu'on puisse continuer à fonctionner. On est tout à fait d'accord. Par contre, nous voterons contre pour principalement deux raisons. La première, c'est les 300 000 euros sur le SDMU. Si c'est pour nous faire l'avenue Charles de Gaulle à deux fois une voix, on ne peut pas être d'accord. Et la deuxième, c'est sur l'engagement de travaux sur le gymnase Jean-Louis Forain, puisque là encore, il est amené à être détruit, a priori, dans deux ans. Donc, on ne voit pas très bien l'intérêt de ces travaux qui ne compenseront pas les économies. Donc, voilà, nous voterons contre. En commission, Madame Alquier, nous avions promis de regarder de quoi il s'agissait sur le gymnase Jean-Louis Forain. Il s'agit en fait d'huisseries qui, aujourd'hui, ne fonctionnent pas. Donc, même si on modifie le quartier dans 5, 6 ou 8 ans, il faut pouvoir fermer les portes et les fenêtres. C'est ce que nous estimons nécessaire de faire maintenant. Voilà, à ma connaissance, personne n'a parlé de destruction ou de construction de quoi que ce soit. Donc, je vous laisse la pleine et entière liberté de vos propos. À aucun moment, il n'a été parlé de destruction du gymnase Jean-Louis Forain. Donc, je dis, il faut juste être attentif à ce qu'on raconte. Vous avez quand même capacité à affirmer des choses qui sont fausses ou qui n'ont jamais été dites. Jamais, à aucun moment, il n'a été évoqué de destruction de quoi que ce soit. Voilà. Donc, Madame Alquier. Jamais. Je suis sûr de ce que j'ai raconté. Vous fermez des écoles pour rien jamais, faire à la place. J'ai du mal à y croire. Peut-être que vous avez du mal à y croire, mais jamais il n'a été évoqué de destruction du gymnase Jean-Louis Forain. Alors on se parle, c'est tout. Donc, vous affirmez des choses qui sont juste fausses. Vous avez dit juste fausses, Madame Alquier. Vous avez dit vous-même. On ne va pas polémiquer, mais vous racontez des choses qui sont juste fausses. Est-ce que j'ai dit que j'allais détruire le gymnase? Jamais. Vous avez dit que vous allez refaire tout le quadrilatère. Jamais, c'est tout. Oui, on a dit qu'on a étudié. Donc, alors, voilà. Vous cachez des choses. Non, vous racontez n'importe quoi, c'est quand même assez fréquent. Voilà, c'est tout. Bah, dites-moi. Ben voilà, et c'est pas nouveau, et vous l'avez encore fait en public cette semaine. Eh ben, voyons. Bien, y a-t-il d'autres souhaits d'intervention Madame Bilger. En cohérence avec le vote du budget, nous nous abstiendrons. Enfin, je m'abstiendrai. C'est bien noté. On va passer au vote. Donc, y a-t-il des votes contre Donc, vous avez tous des pouvoirs. Donc, le groupe de Madame Alquier a ses pouvoirs, des abstentions, une abstention, et le reste à la majorité. Nous passons au budget, à l'EM, donc délibération numéro 6, AELM sur le budget annexe de location d'emplacement de stationnement pour l'exercice 2023. Voilà, le principe est le même, c'est-à-dire d'autoriser le travail sur les parkings en ouvrage au premier trimestre de l'année 2023. Donc là, la limite qu'on peut inscrire en AELM, c'est 25% de 71 280 euros, c'est-à-dire 17 820. Et donc, nous vous proposons d'inscrire 17 000 euros d'autorisation de dépenses au premier trimestre, qui sont répartis en 16 000 pour des travaux d'aménagement dans les parkings et 1 000 pour les restitutions de cautions qui correspondent à une ligne budgétaire tout à fait distincte. Voilà, donc 16 000 et 1 000, ça fait 17 000. C'est ce que nous vous proposons d'inscrire en AELM, stationnement. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération ? Pas de souhaits d'intervention, des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci. Alors je salue l'entrée en séance de Madame Forget, bien signalée au PV. J'indique aux élus, et je me prie de bien vouloir m'en excuser, si vous voulez suivre la bonne numérotation des délibérations, il faut que vous alliez sur la tablette sur Conseil municipal du 14-12-2022. C'est ça, Monsieur Charrère ? Donc pour ceux qui auraient un petit décalage, je pense lié à l'introduction de la troisième version. Troisième version, me dit-on. Alors, c'est la troisième ou la deuxième, Monsieur Charrère? Écoutez, Monsieur Charrère, s'il vous plaît. Merci de ces précisions.
fort de cette renumérotation directe. Passons à la délibération numéro 7, admission en non-valeur et créance éteinte, délibération dorénavant classique sur le BP exercice 2022, un complément par Monsieur Soleil. Donc le 22 septembre dernier, nous avions déjà passé une délibération sur le sujet et nous avions voté le fait de passer en créance irrécouvrable 133 créances pour un montant total de 7 868,57 €. Et 64 créances qu'on a passées en créances éteintes pour 8 158,69 €. Je vous rappelle que celles qui sont éteintes, elles sont définitivement terminées. C'est-à-dire qu'à la limite, si au dernier moment, un créancier venait à se faire, à se manifester, on ne pourrait pas recouvrer cette créance, alors que tant qu'elle est en irrécouvrable, on peut toujours la recouvrer. Là, le Trésor public nous invite à passer en créance irrécouvrable un certain nombre de 91 exactement, 91 pièces supplémentaires pour un total de 4 242,60 €. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Si pas de souhaits, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions à l'unanimité ? Merci. Délibération numéro 8, travaux de rénovation sur le site sportif Péloire. Dispositif de subvention, avenant de prolongation sur le contrat départemental numéro 5, Monsieur Soleil. Voilà, donc les travaux de Péloire sont subventionnés, sont cofinancés par le département via un contrat qui nous associe au département sur le sujet. Ce contrat a une durée déterminée qui a déjà été rallongée une fois. Il faudrait l'allonger une deuxième fois pour pouvoir toucher l'ensemble de la subvention, puisqu'on sait maintenant que les travaux ne finiront que début 2024, probablement en février, fin janvier ou février 2024. Donc ça justifie qu'on prolonge 2023, oui. Ça justifie qu'on le prolonge jusqu'au 11 janvier 2024, c'est-à-dire d'une année complète. Voilà, sans changement à ce stade de quoi que ce soit d'autre que la durée. Merci. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération ? Des votes contre ? Des abstentions à l'unanimité ? Merci. Délibération numéro 9, avance sur subvention à diverses associations pour l'exercice 2023. Je passe la parole à Monsieur Voiseux. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Comme tous les ans, la délibération pour les avances de trésorerie, à d'avance de subvention pour maintenir les trésoreries des associations. On a eu deux demandes cette année, l'école de musique et le Chenet Sport. L'école de musique pour 100 000 € et le Chenet Sport pour 15 000 € en avance de leur subvention qu'ils obtiendront au budget de 2023. Merci, Monsieur Voiseux. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération bien classique ? Pas de vote contre, pas d'abstention à l'unanimité. Merci. Je repasse la parole à Monsieur Soleil pour l'approbation d'une délibération, elle aussi classique, l'approbation du montant de l'attribution de compensation de la commune de Chenet au concours versé par la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc pour l'exercice 2023. Monsieur Soleil. Donc, à l'occasion du conseil du 19 octobre dernier, on vous a expliqué le fonctionnement de cette commission locale d'évaluation des transferts de charges, là. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Là, il s'agit d'une proposition qui est faite parce que dans les transferts de charges qui sont maintenant pris en compte, il y a non seulement celle dont on avait parlé en octobre, qui est la charge liée à la prise en compte par la collectivité, par le PCI, par Versailles Grand Parc, des eaux pluviales. Donc, vous vous souvenez qu'on avait conclu que le résultat pour notre commune serait nul, parce que c'est comme ça que ça avait été décidé entre Versailles Grand Parc et les communes, mais là il y a deux aspects supplémentaires qui sont la prise en compte d'une TVA supplémentaire perçue par Versailles Grand Parc. Il est il a été décidé entre Versailles Grand Parc par le bureau communautaire que ces fractions de TVA supplémentaires étaient redistribuées à hauteur de 60% vers les communes. Donc on a déjà eu un premier montant de TVA supplémentaire de 1 310 821 € qui a fait l'objet d'une distribution dont nous avons perçu le bénéfice, nous, comme on l'a vu lors du conseil du 24 novembre, via un fonds de concours qui nous sert à cofinancer d'une part les travaux sur Corneille et d'autre part le parvis du CTM. Là, il y a une deuxième rallonge de cette TVA pour un montant global de 2 784 479 €. Et cette fois-ci, il est proposé de le reverser au prorata de la population de chaque commune, donc à chaque commune via l'attribution de compensation. Mais par contre, ça n'est qu'une fois, c'est-à-dire que c'est un excédent de TVA perçu en 2021 qui sera reversé sur l'attribution de compensation de 2023.
Pour le moment, l'attribution de compensation, qui est, je le rappelle, une recette de fonctionnement, est de 11 655 093 euros. Donc pour l'année prochaine, on rajouterait les 194 000 euros qui reviennent à la ville au titre de cette redistribution de TVA perçue en supplément par VGP, donc 194 118. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est la prise en charge du délégué à la protection des données qui est mutualisé entre les communes de VGP, dont le coût global serait de 71 352 euros, avec une quote-part pour le Chesnay qui serait de 12 143 euros, avec son environnement, les charges, les frais généraux qui vont avec, etc. Donc la conclusion de cette présentation, c'est que l'attribution de compensation passerait du montant actuel de 11 650 093 à 11 824 925 pour 2022, enfin pour 2023, pardon. Donc avec la TVA en plus et le coût, la quote-part du coût du délégué à la protection des données en moins. Et puis les années suivantes, bien sûr, nous n'aurions plus le bénéfice de ce reversement de TVA. Il ne resterait plus que le coût à prendre en charge de déléguer la protection des données. Donc l'attribution de compensation prévue pour 2024, à partir de 2024, serait donc de 11 642 950 euros. Voilà. Merci, Monsieur Soleil. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération technique, mais importante pour notre budget ? Si pas de souhaits d'intervention, des votes contre ? Des abstentions à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 11 concernant la cession du local médical SI21 rue de la Sabretache et détermination de la procédure d'adjudication. Je passe la parole à Madame Théménides. Bonsoir à tous. Donc, dans une démarche d'optimisation de la gestion de son patrimoine et de sa valorisation économique, la commune souhaite conserver en priorité les locaux utiles à la production des services publics rendus au profit des usagers et à la mise en œuvre des politiques publiques locales. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il ne nous apparaît pas plus opportun de conserver le bien immobilier qui, aujourd'hui, fait partie du domaine privé de la commune, à savoir le cabinet, un lot de copropriété affecté aujourd'hui à l'usage d'un cabinet médical situé 21 rue de la Sabretache, d'une superficie de 63 mètres carrés environ, et qui comprend également deux emplacements de stationnement en sous-sol. Du coup, il est proposé de mettre en vente ce bien immobilier, sachant qu'aujourd'hui, il y a un bail qui est conclu avec un occupant et que ce bail serait transféré à l'acquéreur. Dans un souci de bonne gestion, donc on propose que cette cession immobilière intervienne au bénéfice du plus offrant dans le cadre de la mise en œuvre d'une procédure de vente par adjudication publique. C'est en effet cette procédure qui doit permettre au plus grand nombre de candidats de se manifester et ça prendrait la forme d'une annonce qui indiquerait les conditions de la vente, qui serait publiée dans le magazine municipal d'information, dans différents journaux locaux et ou professionnels de santé, voire sur des sites internet. Bien sûr, en complément, il y aurait des visites des locaux organisées pour bien voir le bien. Et un dossier complet d'information sera remis à chaque candidat afin de garantir l'égalité de traitement des personnes intéressées et la transparence des informations transmises. Toujours dans ce cadre, nous proposons qu'une commission spéciale d'adjudication soit constituée afin de procéder à l'ouverture des offres, que nous espérons très nombreuses, et à l'examen donc de leur recevabilité. Sachant que nous proposons comme critère que l'offre financière d'achat doit être d'un montant au moins égal au prix de réserve que nous allons fixer et comporter un apport personnel d'au minimum 15% de l'offre. Le prix de réserve dont je parlais, proposons de retenir la valeur vénale estimée par le pôle évaluation domaniale de la DDFIP 78 qui s'élève à 285 000 euros. Et enfin, la commission spéciale retiendrait, enfin, il faut discuter des comment elle le classerait, enfin, discuter, on vous propose des critères pour le classement des offres, en retenant tout d'abord l'offre de prix et d'autre part le taux d'apport personnel des candidats, enfin, des offres. Il est donc proposé au conseil municipal, je relis donc, d'approuver le principe de la vente par adjudication, de fixer le prix de réserve pour la vente de ce bien à 285 000 euros. De fixer à 2 mois la durée de la consultation à compter de la publication de l'offre de vente du bien immobilier par adjudication publique, d'approuver la création de la commission spéciale, de fixer les critères de recevabilité tels que je vous les ai exposés, ainsi que les critères de classement des candidats, donc offre de prix et taux d'apport personnel. Et en dernier, d'approuver la création de la commission et donc d'en désigner des membres. Y a-t-il des souhaits d'intervention avant que je cadre le format de la commission ? Madame Alquet, puis Madame Bilger. Merci. Alors, nous sommes
totalement opposé à la cession de ce local médical, puisqu'il fait partie d'un écosystème de santé qui est très important pour la ZAC du Bourg, avec la pharmacie qui est à côté, ainsi que là, il y a également la crèche à côté. Donc il y a un vrai espace de santé dans cet endroit qui rend beaucoup de services. D'ailleurs, le médecin qui travaillait beaucoup, donc ça n'était pas une raison, la raison de son départ n'est pas liée au fait qu'il n'y avait pas de patients, au contraire. Donc nous sommes opposés. Et vous n'êtes pas sans savoir d'ailleurs que le problème d'insuffisance de médecins devient criant au Chénère, au Cancourt. Et je voudrais vous partager, mes chers collègues, un témoignage de la pharmacienne qui est sur le plateau Saint-Antoine et qui exprime très bien ce problème. Je vous fais la lecture. Il y a 3 ans, juste avant la pandémie, je suis venue pour vous sensibiliser sur la nécessité d'étendre l'installation de médecins généralistes en dehors du secteur du bas du Chénet, où les médecins sont saturés, et principalement sur le plateau du Chénet, limitrophe de Versailles, et où les médecins sont aussi saturés. La situation aujourd'hui s'est largement dégradée, comme vous le savez. Nombre de personnes se retrouvent sans médecin traitant, généralement partis à la retraite sans remplaçant, et les médecins en place ne prennent plus de patients. J'ai mis une borne de téléconsultation à la pharmacie, celle-ci rend bien des services pour des pathologies du quotidien, mais largement insuffisante. Vous m'aviez demandé de trouver un local, cabinet individuel, ce qui est en passe de se faire, place Saint-Antoine de Padoue. Il s'agit d'un appartement que les propriétaires seraient prêts à modifier pour accueillir un médecin en rez-de-jardin, avec toutes les validations nécessaires. J'ai envoyé des annonces dans les différentes facultés de médecine de France et auprès de médecins de mes connaissances pouvant m'aider dans ma démarche. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir étudier ce dossier urgent. Donc, ce sont maintenant les médecins eux-mêmes qui doivent s'occuper de trouver des médecins pour leur clientèle. Donc, il y a un vrai sujet. Ce témoignage s'accompagne d'une pétition de 100 personnes. Donc, c'est vraiment l'expression d'un besoin des habitants. Nous avons besoin de médecins. Et c'est vrai aussi à Haut-Cancourt. Je pense que monsieur Pommery pourrait me confirmer dans l'objectif de ce cabinet médical. Alors, rapidement, effectivement, sur le côté du désert médical, on peut être que d'accord avec vous. Je pense que c'est à peu près national. Donc, voilà. Tout le monde aimerait bien avoir plus de médecins. Concernant le local, parce que c'est un peu l'objet de la délibération, oui, vous avez raison, le médecin est plein. Donc la question, c'est pourquoi il part. Et s'il part, c'est que le local n'est pas adapté. Les médecins aujourd'hui, 90% des médecins qu'on a vus... Monsieur Pembry, je ne dis pas que le local n'est pas adapté à la pratique médicale. Je dis qu'il n'est pas adapté à ce que les médecins souhaitent aujourd'hui, c'est-à-dire un cabinet plus large, avec pluridisciplinaire et avoir... plusieurs personnes. Aujourd'hui, il n'y a que 2 pièces et c'est pour ça qu'on ne trouve pas toutes les personnes qu'on a trouvées depuis 1 an et demi que le local est vide. Ce sont des gens qui voudraient avoir 3-4 salles, qui voudraient aussi souvent l'acheter. C'est-à-dire que peut-être qu'en le vendant, on aura des gens qui seront très contents de faire un investissement et d'avoir leur cabinet. Mais ils ne veulent plus être locataires. Donc, c'est la problématique... C'est un présupposé. Écoutez. Présupposé, c'est que ça fait 1 an et demi que c'est vide. Si on ne cherche pas de médecin, évidemment. Il paraît que les médecins sont libéraux, madame Alquier, vous êtes au courant ? Vous êtes au courant que les médecins sont en général des libéraux. Et vous savez ce que ça veut dire, libéral. Alors, Madame Bilger a demandé la parole et Monsieur Pommery ensuite. Oui, en fait, ma question était justement de savoir quelles avaient été les démarches qui avaient été faites pour pouvoir remplacer ce médecin. Voilà, c'était ma première question avant de débattre. Je redis, la médecine est libérale en France. Vous êtes au courant ? Tous et toutes. Donc à un moment, bien évidemment, on a fait... Voilà, mais il n'incombe pas aux communes. Pour l'instant, s'il faut demain qu'on recrute des médecins municipaux, peut-être qu'on fera, mais on est encore dans un pays où la médecine est majoritairement libérale. Il me semble que les praticiens sont assez soucieux de ce côté libéral. Donc à un moment, il faut accepter la loi du marché. Alors, voilà. Non, mais je suis d'accord. Ma question, c'est, il y a eu une volonté politique de vos prédécesseurs d'installer un médecin au niveau du bourg. Donc la question qui se pose, puisque vous me dites que vous n'avez pas fait de démarche pour rechercher un médecin, c'est donc, c'est ce que vous venez de me dire, monsieur le maire, puisque vous n'avez pas fait de démarche, c'est donc que votre politique n'est pas de maintenir ce cabinet médical.
Voilà, c'est tout ce que je... Il me semble que M. Ribert vient de donner quelques éléments de réponse dans les freins, parce que quand même, s'il n'y a pas de médecin, c'est que le marché, ne... voilà, l'offre ne rencontre pas la demande, hein, on est d'accord. Sinon, bah, sinon oui, il y aurait si, un... si le local était si bien, hein. Si le local était si bien, sans doute que des médecins seraient venus dans les conditions actuelles. Ça n'est pas le cas. Ce qu'on vous dit, c'est que l'une des barrières, c'est l'impossibilité, la volonté d'acheter et pas de louer. Et donc, en mettant en vente, peut-être que des médecins vont se dire, OK, si ça, c'est en vente, finalement, je prends le bien. Mais je ne peux pas vous le dire. Et je redis, d'accord, on est dans un monde libéral. Donc, à un moment, on met en vente et on verra bien ce qui se passe. C'est aussi simple que ça. Voilà, il n'y a pas de, y a pas de voilà, pas non plus caricaturé. La ville n'empêche pas les médecins de venir. Le bien en location. Non, mais je veux dire que vous n'avez pas fait de démarche dans ce sens-là, c'est ma question. Parce le fait que ce soit ça libéral, n'est pas la compétence, Madame Bilger, ça n'est pas la compétence de la commune que de recruter des médecins. Voilà. Non, on est d'accord, alors, mais ça peut être la volonté d'implanter un médecin à cet endroit-là. C'est alors, comme c'est pas la compétence de la ville de maintenir Intermarché non plus. Donc, c'était dans la ZAC. C'était dans la ZAC. Okay, et donc là, votre voisin de devant, lui, peut témoigner du fait que dans la ZAC, il y avait le lot activité. Pas tout à fait la même chose. Hein. Voilà, il n'y avait pas de lot médical. Voilà. Madame Forget et Monsieur Pemery. Alors, pour votre information, s'il y a eu des démarches qui ont été faites, notamment, j'ai contacté la présidente d'une association de médecins et paramédicaux qui travaille sur le Chênaie. Et effectivement, elle n'est pas intéressée par le local pour deux raisons. La première raison, c'est qu'elle souhaite acheter, que ses confrères veulent acheter également. Et la deuxième raison, qui n'est pas négligeable, c'est que maintenant la médecine se fait à plusieurs, s'exerce à plusieurs, avec des paramédicaux, et qu'il leur faut un local au minimum de 150 mètres carrés. La demande a été très claire et très précise. Je vous remercie de votre réponse. Voilà, donc vous avez bien fait une démarche, et l'ensemble me semble cohérent. Voilà. Mais le discours qui était tenu en disant qu'il n'y a pas eu de démarche de fait, non, me paraît un peu complexe. On ne crie pas sur tous les toits. Voilà. Voilà. Merci. Oui, M. le maire, moi je trouve que c'est une décision, enfin une approche en tout cas, qui est prématurée et précipitée. On n'a pas... Je ne crois pas que les finances de la commune soient si pauvres, hein, si, qu'il faille vendre absolument rapidement ce bâtiment, enfin ces appartements, surtout dans la mesure où on peut quand même essayer de trouver des médecins. Et je peux vous dire que je suis assez proche du Conseil de l'Ordre, puisque j'ai un beau-frère qui est président du Conseil de l'Ordre, et qu'il est en cours, il est en train de chercher, enfin, parce que je l'avais approché, je le verrai à Noël, pour essayer de trouver des médecins. La réponse qu'il m'a faite correspond un peu à ce qu'a dit Mme Forget, c'est vrai. Et peut-être que l'erreur que j'ai commise il y a quelques années, c'est d'avoir pas suffisamment... J'avais trouvé un médecin par le Conseil de l'Ordre et de ne pas en avoir trouvé un autre. Voilà, parce qu'il en faut deux. Et à ce moment-là, notre médecin serait peut-être resté. Sauf qu'il ne fait plus de médecine libérale. Donc, ce que vous dites n'est pas tout à fait exact, M. Ribert. Il part comme médecin du travail. Il en a marre de la médecine libérale. Donc, Non, non, mais il est parti à Noisy, et à Noisy, il en a marre. Je l'ai vu. Attendez, je l'ai rencontré bon. il y a trois semaines. On, hein. On va pas refaire l'historique. Et moi, M. Pemery, je ne vais pas vous faire le procès de ne pas avoir anticipé. C'est compliqué. Et puis, je redis, hein, c'est quand même pas complètement notre champ de compétence, sauf à essayer de faire une maison médicale. Mais je ne pense pas que c'était dans le programme. À un moment, il faut accepter quelques réalités. Voilà, évidemment, on discute avec les médecins. Ce qu'on entend, effectivement, c'est que les surfaces recherchées sur la commune, c'est plutôt 200 mètres carrés. On ne les a pas, parce qu'évidemment, on aurait tout intérêt à faciliter. Ouais, sur la commune, 200 mètres carrés, je vous assure que c'est compliqué, parce que ça fait quand même 2 ans et demi qu'on regarde. On peut trouver deux médecins, voilà. Je pense. Mais il y a effectivement d'autres structures qui se montrent. En tout cas, il faudrait peut-être attendre un peu. Nous considérons que nous avons attendu 2 ans et que nous passons à une autre étape. Voilà, ce sera un nouveau service en moins pour les Chênaie-Courtois. C'est très regrettable. Sauf, M. Pemery, si un médecin achète, auquel cas on s'en reparlera. Alors là, si un médecin achète, moi je suis pour. Hein, bien entendu. J'espère que vous reviendrez nous voir en disant que finalement cette délibération n'était pas complètement infondée. Mais pour qu'un médecin achète, il faut qu'on vende et c'est l'objet de cette délibération. Oui, Madame Temidias. Pour ne pas les citer, qui sont venus visiter, qui étaient intéressés et qui finalement ont acheté en fait au Chênaie. Voilà. Mais ça fait 1 an et demi qu'on cherche. Pourquoi n'a-t-on pas parlé de ce dossier à la dernière réunion d'urbanisme? On l'a mis en commission finance en fait. Bah, c'est du domaine du patrimoine. Voilà. Et bah pas, oui, je vous remercie. Voilà. Bah c'est le patrimoine, M. Pemery, donc c'est plutôt la commission. Elle est quand même présentée par la pointe à l'urbanisme. Elle est aussi en charge du patrimoine. Voilà. Voilà. Elle a plusieurs délégations. Enfin, vous avez quand même dit, Madame Temenides avait quand même dit en préambule que vous ne considériez que ce n'était pas un service à la population. Non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Non, j'ai dit un service public local. Enfin, c'est un service. Il
il y a des tas de services qui ne sont pas exercés par la... Bon. Même si ce n'est pas obligatoire, on n'a pas la même vision du service public. Non, ça c'est sûr que madame... Je me permets d'ajouter simplement que beaucoup de maires en France cherchent des médecins, prépare des mais Monsieur Pemery, là aussi, enfin, ne nous faites pas de mauvais procès. On vous dit, mais vous m'avez dit que ce n'est pas votre boulot de non, chercher des médecins libéraux. C'est beaucoup pas de maires le font. Oui, beaucoup. Voilà, mais je considère qu'on a, on a des prérogatives. Il y a beaucoup de maires qui dépassent un peu leurs prérogatives. Moi, je m'occupe des miennes pour l'instant. Et en l'occurrence, je redis, il n'est pas exclu qu'en mettant ce local en vente, on a un médecin qui achète. Voilà. Donc, fort de ces éclairages, je vous invite maintenant à passer au vote. Y a-t-il des votes ? Alors, précise avant de passer au vote. Que pour que cette vente se fasse, il faut qu'il y ait une commission d'adjudication. Donc je propose qu'elle soit composée de 5 membres, 4 de la majorité et 1 de l'opposition. Sauf à ce que vous ayez changé d'avis, Madame Alquier, vous n'avez pas souhaité participer à cette commission. Donc je vous propose, et je donne les noms, de telle sorte que vous puissiez voter en conséquence. Alors, ça, il faut que je remette sur la bonne délibération. Donc si vous êtes d'accord, on ne procède pas de vote à bulletin secret pour les raisons habituelles que vous connaissez. Je vous propose donc que les 5 membres suivants soient M. Benoît Ribert, Mme Aline Temenides, Mme Dominique Forget, M. Jean-Louis Jarige et Mme Dorothée Bilger. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits de candidature ? S'il n'y en a pas, y a-t-il des votes contre sur cette délibération complète ? Donc la liste de Mme Alquier, ses pouvoirs. Y a-t-il des abstentions ? Le reste est la majorité. Merci de ces échanges nourris. Délibération suivante, très traditionnelle, la mise à disposition des réfectoires des écoles forains et le nôtre à la société de traiteurs, le nôtre. Monsieur Jarige, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, comme chaque année, donc, on met à disposition donc, les réfectoires donc, des écoles forains et le nôtre pour le nôtre. Donc, d'une période qui va donc, du 19 décembre jusqu'au 2 janvier, donc, mais généralement utilisée sur 4 jours. Par rapport à ça, donc, on fait payer donc, une certaine indemnité donc, d'occupation forfaitaire de 5 800 €. Il est en fait certain que cette année, donc, le nôtre nous a demandé donc, de diminuer cette indemnité de moitié, ce que nous avons refusé donc, pour la mettre au prix donc, de 5 800 €, ce qui était fait les années précédentes. Par conséquent, pour, les années, donc, pour l'année prochaine, donc, s'ils reviennent vers nous, il sera bien évidemment... Donc, nous forcerons donc, nous proposons une offre supérieure pour le nôtre, parce que c'est vrai qu'on ne va pas rester donc, pendant 10 ans au même niveau de 5 800 €. Donc, il vous est proposé donc, de voter cette indemnité de 5 800 €. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération récurrente ? Des votes contre ? Des abstentions à l'unanimité ? Merci. Nous restons dans le domaine du commerce avec le kiosque de la place Simard et une dérogation à l'application de la grille des redevances exigées en contrepartie de l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le domaine public, communal, immobilier non bâti. Monsieur Jarige, vous avez la parole. Oui, donc nous avons un kiosque place Simard donc, qui est inoccupé depuis maintenant 5 ans. Et en début d'année 2022, nous avons été approchés par Media Kiosque, qui est donc une filiale du groupe Deco. Donc, Mediacos qui a été approché par des personnes qui ont eux-mêmes 2 kiosques à journaux sur Versailles et qui veulent donc proposer à leur fille un kiosque sur le Chesnay. Donc, ce sera donc un kiosque à journaux avec peut-être aussi un service PMU et loto. Donc, ça, c'est à définir. Donc, par rapport à cette demande, donc, nous avons fait donc, une étude complète. Nous avons fait un benchmark par rapport donc, aux autres kiosques des villes environnantes. Donc ces villes environnantes, vous avez un tableau donc, qui sont les villes de Boulogne, Château et autres. Et comme vous pouvez constater, donc, la redevance annuelle est entre 150 € et 900 €. Pour nous, donc, nous avons demandé donc, une base donc, de 1 000 € donc, pour cette location donc, sur une année donc, complète, afin donc, de pouvoir bénéficier donc, de ce nouveau kiosque donc, qui serait donc, occupé à partir de janvier 2023 par ce libraire. Par ce marchand de journaux, pardon. Il est vrai que nous avons essayé donc de trouver d'autres solutions qu'un marchand de journaux, mais c'est avéré que l'emplacement et surtout la taille, la surface donc, de ce kiosque était trop petite pour offrir d'autres services. Donc c'est pour ça que nous avons proposé donc, et que nous sommes intéressés par cette proposition. Il est en fait certain que nous devons donc définir un tarif spécifique, donc ce montant de 1 000 €, parce que dans notre tarif de voirie, donc, nous n'avons aucun tarif qui avoisine donc, et qui concerne donc, les kiosques. Et pour cela, donc, nous avons fait une redevance spécifique d'un montant de 1 000 €. Donc, nous vous demandons donc, votre accord pour ce montant de redevance de 1 000 € par an.
Merci, monsieur Jarry. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur la possible réouverture de ce kiosque ? Pas d'avis, pas de vote contre, pas d'abstention à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer dans une séquence d'enfouissement. Enfouissement des réseaux électriques de distribution publique et réseaux de communication électronique, rue Potier, convention de maîtrise d'ouvrage avec notre syndicat préféré, le CIGEF, et notre élu préféré en la matière, c'est monsieur Rospini. Merci, monsieur le maire. Ça marche, oui. Comme vous l'avez dit, il s'agit d'une opération d'enfouissement de réseau électrique sur la rue Potier entre Redingote, le carrefour Redingote et le rond-point d'Eppenheim. Et classiquement, au titre du programme 2023, et nous inscrivons des opérations avec le CIGEF. Et dans le cadre de cette délibération, il vous est proposé donc d'approuver la convention avec le CIGEF pour les mandater pour faire cette opération avec nous et de mettre à la délibération effectivement le prix de l'opération pour le compte de la commune, sachant qu'il y a une répartition entre le concessionnaire, le CIGEF, Orange et la ville. Et pour le cas de cette opération, il s'agit d'une participation de 57 100 euros TTC. Donc, ça va. Je pense que ça va parce que les opérations sont classiques. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette première opération d'enfouissement ? Si pas d'intervention, pas de vote contre, à l'unanimité. Merci. On reste sur l'enfouissement. Cette fois-ci, c'est sur la rue Saint-Joseph. Alors, de la même manière pour cette opération, il s'agit effectivement d'une opération sur la rue Saint-Joseph. Entre la rue du Connel de Bange et l'avenue de Basseux, il s'agit donc d'enfouir l'ensemble des réseaux en prévision de l'aménagement de cette portion de rue. Et donc l'opération est de 406 000 euros au total. Et donc il s'agit pour le conseil d'approuver la convention et les sommes pour la ville à hauteur de 286 400 euros. Merci, monsieur Rospini. Des souhaits d'intervention, madame Alquier. Oui, alors, il est très bien de faire l'enfouissement des réseaux. Nous sommes tout à fait pour, bien sûr. Comme en principe, on fait en même temps que l'enfouissement des réseaux, la réfection de la rue, etc. Donc, on voudrait vous demander, qu'allez-vous faire sur cette portion de rue en même temps que l'enfouissement des réseaux ? Saint-Joseph. Alors, Saint-Joseph, sur cette portion de rue, bien sûr, on vérifie l'assainissement de cette rue qui semble ne pas poser de problème. Je vous rappelle qu'au titre du schéma directeur des mobilités urbaines, on doit prévoir l'aménagement de cette portion et l'enfouissement des réseaux électriques et électroniques de communication est un préalable indispensable. Et nous, quand on aura fait ça, on pourra passer à la deuxième phase qui est effectivement l'aménagement final de la voirie. C'est-à-dire ? L'effacement des trottoirs dans la partie basse et la reconfiguration de l'ensemble pour pouvoir mettre en place les dispositions qui ont été prévues au titre du schéma directeur, à savoir l'aménagement pour des itinéraires cyclables, notamment. Je vous demande de bien vouloir consulter les riverains de cette rue qui vous l'ont redemandé régulièrement. Et donc, nous comptons bien sur cette étape avant de faire ces travaux. Nous y veillerons, mais je redis, effectivement, cette opération, elle est inscrite au SDMU et il n'y a rien de secret là-dessus, on l'a indiqué. Voilà, et pour ceux qui connaissent ce bout de la rue Saint-Joseph, il est dans un état misérable depuis de très longues années, puisqu'au début de la mandature précédente, j'ai passé beaucoup de temps avec les riverains avant que cette opération soit annulée. Voilà, elle était déjà dans un état misérable il y a 7 ans. Voilà, donc il est plus qu'urgent de venir réparer cette rue. Je rappelle également que cette rue a des trottoirs qui ne sont absolument pas aux normes, de rien d'ailleurs, même pour des piétons valides, et autant vous dire que pour des personnes à mobilité réduite, voilà. Donc, si vraiment il y a un bout de rue dans cette ville qui mérite d'être restauré, il est sur le haut du podium et depuis très longtemps. Nous sommes tout à fait d'accord. Simplement, consulter et concerter les riverains, merci. Nous ne manquerons pas de le faire avant le commencement de l'opération. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention sur ce projet d'enfouissement ? Des votes contre, des abstentions à l'unanimité ? Merci. Passons aux ressources humaines avec le tableau annuel des avancements. Non, autant pour moi.
Délibération numéro 16, protocole d'accord transactionnel avec la société Île-de-France Marquage. Monsieur Rospini, vous avez la parole pour ce protocole. Voilà, nous avions un contrat pour effectuer les marquages sur la voirie, un contrat de signalisation horizontale. Et il y a eu un prestataire qui a été défaillant, que, notamment au cours de l'été 2022, alors qu'on avait besoin d'exercer beaucoup de travaux à cette époque-là. Et malgré l'ensemble des relances qui ont été faites, nous avons été obligés par un courrier recommandé en date du 9 septembre de prononcer la résiliation du contrat. Il vous est demandé, après discussion et échange avec l'avocat mandaté par la société IDF Marquage, de bien vouloir accepter le protocole d'accord transactionnel qui a été établi, moyennant une somme de 2 250 €, et ceci pour empêcher tout recours ultérieur de la dite société. Donc ça se termine par un protocole amiable, à charge pour nous de retrouver des modalités pour exécuter ces travaux à l'avenir. Merci, monsieur Ospini. Des souhaits d'intervention, madame Bilger. Oui, c'est très pratique. Donc aujourd'hui, qui exécute les travaux de signalisation horizontale? Alors, on est sur les prestations à bon de commande. D'accord. Mais il faut que très rapidement, on relance le marché. On ne pouvait pas le faire tant qu'on n'avait pas de certitude que le prestataire actuel ne nous attaque pas sur... D'accord. Donc, le protocole transactionnel, s'il est accepté ce soir par le conseil municipal, nous ouvrira la voie à une nouvelle consultation et de manière à être assez opérationnel très vite. Voilà. Ok, merci. Merci. D'autres souhaits d'intervention? Des votes contre? Des abstentions à l'unanimité? Merci. Pour de vrai, la délibération 17 et le tableau annuel des avancements de grade. Monsieur Ribert, vous avez la parole. Alors, première partie. Tableau des avancements de grade. Donc, tous les ans, effectivement, vous avez un certain nombre d'agents, ça fait partie de leur évolution de carrière, qui ont la possibilité d'avoir un avancement de grade, avec différents critères qui sont à prendre en compte. Il y a l'ancienneté de l'agent dans le service de la commune, l'appréciation portée sur sa manière de servir, la valeur professionnelle, les acquis des expériences professionnelles, l'absence de nomination au titre de promotion interne ou d'avancement de grade lors des 5 dernières années. Il s'agit là, c'est rappelé, de prendre en considération l'absence d'évolution de carrière lors de la période précédente pour ne pas bloquer les agents à l'avenir. Puis enfin, les efforts accomplis par agent pour accroître son niveau de compétences professionnelles. Une fois qu'on a eu finalement tous les agents qui pouvaient avoir ces critères-là, une partie a donc été notée. Vous avez 41 personnes qui donc ont un avancement de grade. Ce qui amène, et là on est sur la partie classique finalement de l'évolution du tableau des effectifs, avec une suppression des anciens postes et une création des nouveaux postes. Pour rappel et information au niveau financier, l'impact est minime, puisque un avancement de grade en général c'est entre 1 à 4 points d'indice, et 1 à 4 points d'indice c'est entre, donc vous multipliez grosso modo par 4-5 €, et vous avez l'augmentation de carrière et de salaire des agents concernés. Voilà. Merci, M. Ribéry. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur la présentation de ce tableau annuel? Je n'en vois pas. Des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci. Nous passons maintenant sur le tout aussi traditionnel tableau des effectifs et des emplois avec ses modifications. Merci, M. le maire. Donc là, en l'espèce, cette fois-ci, il s'agit de supprimer 3 emplois d'éducateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle qui quittent la commune et qui vont être remplacés par 3 éducatrices de jeunes enfants de classe normale. Ensuite, il y a un sujet au niveau du CSE, avec pour le coup la création nette de 2 emplois d'adjoints techniques pour permettre le recrutement de 2 opérateurs et ainsi moins utiliser de vacations et d'heures supplémentaires. Donc en budget, c'est équivalent, mais effectivement, on a quand même 2 embauches supplémentaires. Et enfin, il s'agit de supprimer un emploi de psychomotricienne qui a demandé sa mutation au CCAS. Son emploi a été créé au dernier conseil d'administration du CCAS. Voilà pour le tableau des emplois ce mois-ci. Merci. Y a-t-il des souhaits d'information complémentaire, d'intervention, des votes contre, à l'abstention, unanimité? Merci. Délibération, le protocole d'accord local sur la mise en œuvre du télétravail, M. Ribert. Voilà. Alors là, évidemment, attendu depuis longtemps par tout le monde
agents, équipes et encadrants. Le télétravail, c'est un gros travail de la part des organisations syndicales et des ressources humaines pour le mettre en place au cours de cette année 2022. Alors, on l'avait évidemment été contraint de faire du télétravail de façon un peu plus non prévue avec le Covid. Là, on a quelque chose qui permet de cadrer juridiquement et d'avoir un accord pour tout le monde de façon claire et précise. Je vais vous mettre en avant les quelques points particuliers de cet accord et non pas vous le lire évidemment intégralement. Donc, on a un système avec deux jours de travail, de télétravail par semaine, une partie fixe et une partie flottante. Ça peut aller jusqu'à 20 jours de flottant. Évidemment, à chaque fois, l'objectif, c'est d'avoir une présence de l'équipe au complet une fois par semaine. Ces jours sont évidemment sous réserve d'organisation de services et du responsable hiérarchique. On a un système où il n'y a pas de rémunération supplémentaire. Il a été convenu finalement que c'était déjà un avantage important de pouvoir télétravailler, de rester chez soi. Et que, en particulier, en plus, dans une collectivité comme la nôtre, où vous avez un nombre d'emplois assez varié. Et donc, des agents qui ne peuvent pas de toute façon bénéficier de télétravail. Et donc, les agents qui bénéficieront de télétravail n'ont pas de complément en termes de salaire. Évidemment aussi, si de façon ponctuelle on doit sursoir et ne plus avoir de télétravail pour X ou Y raison, eh bien, les agents auront l'obligation de venir sur place travailler. Et à l'inverse, on est là sur un télétravail choisi, mais si une crise amenait à avoir besoin de faire plus de télétravail, bah, de la même façon, il pourrait y avoir du télétravail contraint comme on en a eu les années passées. Aujourd'hui, on a une cinquantaine d'agents, grosso modo, qui bénéficient de ce télétravail. Et on est quasiment au maximum des possibilités, puisque ceux qui seraient, qui auraient encore le droit, parfois habitent la commune et préfèrent venir. Quant aux autres, on a quand même un nombre de métiers importants qui, de toute façon, ne peuvent pas bénéficier de télétravail, parce que soit jardinier, soit devant avoir un accueil physique des personnes. Voilà. Merci, Monsieur Ribert. Questions, des souhaits d'intervention, des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci. Nous allons passer sur la délibération numéro 20 concernant une convention de mutualisation des actions sur le bassin de vie en termes d'emploi et d'insertion professionnelle. Je passe la parole à Madame Testu. Merci, Monsieur le maire. Depuis 2016, la commune a intégré le réseau intercommunal d'insertion qui regroupe des élus, des professionnels et des bénévoles des communes de la Selle-Saint-Cloud, Bougival et Le Chesnay-Rocancourt et qui a pour objectif d'améliorer la réponse aux besoins des publics en difficulté d'insertion. Pour cela, le réseau utilise les dispositifs suivants. Un groupe espoir qui propose des réunions d'information et d'échanges autour des principaux dispositifs d'insertion et d'accompagnement social. Un séminaire d'une journée qui est organisé tous les deux ans sur un thème défini. Et un livret contact d'insertion qui est une sorte d'annuaire des acteurs. Ce réseau est géré au quotidien par un service gestionnaire composé de professionnels mis à disposition par le CCS de la Selle-Saint-Cloud. Et un comité directeur composé d'élus et de professionnels représente en tant qu'instance collégiale de décision les intérêts des trois collectivités pour les actions du réseau. Après avoir rejoint le projet, la commune du Chesnay-Rocancourt et son CCS ont signé une nouvelle convention unique en 2018 avec les CCS de Bougival et de la Selle-Saint-Cloud et avec la commune de la Selle-Saint-Cloud. Cette convention précise l'organisation du réseau et notamment la composition et le rôle du comité directeur ainsi que la participation financière des trois communes. La convention arrivant à son terme fin 2020, les trois communes ont fait le choix de prolonger la convention via un avenant en 2021 de façon à se laisser le temps de négocier un projet de nouvelle convention pour la période 2022-2026. Au Chesnay-Rocancourt, la dimension sociale est portée par le CCS et la dimension insertion professionnelle est portée par la ville. Ces deux entités sont par conséquent signataires de cette convention qui a été approuvée en conseil d'administration du CCS le 5 décembre dernier et que nous soumettons à votre approbation aujourd'hui. Merci Madame Testu. Y a-t-il des souhaits d'intervention, des votes contre, des abstentions? Merci beaucoup. Nous allons passer sur une délibération concernant l'adhésion au groupement de commandes du CIG Grande Couronne pour la partie assurance, incendie, accidents et risques divers sur la période 2024-2027. Madame Temenides. Merci. Alors, je précise que ce n'est pas de l'urbanisme, effectivement.
Donc le CIG va constituer un groupement de commandes pour la période 2024-2027 qui a pour objet l'attribution des marchés de prestations de services assurance qui couvrent les incendies, les accidents et les risques divers suivants. Donc assurance dommage aux biens, responsabilité civile et protection juridique en option, l'assurance automobile et l'assurance protection fonctionnelle. L'intérêt, vous vous doutez, c'est de mutualiser, enfin l'intérêt d'adhérer à ce groupement de commandes. L'intérêt pour la commune, c'est de bénéficier d'un effet mutualisation. Il faut voir que dans le domaine des assurances, aujourd'hui, on a un contrat qui est arrivé à échéance au 31-12-2022. On avait fait une procédure d'appel d'offres pour la période 2023-2026. On a peu de candidats, on a une sinistralité, alors pas forcément propre à la commune, mais aussi de l'ensemble, enfin globalement, un peu sur toutes les communes, enfin au niveau national. Et les compagnies d'assurance adaptent aussi leur ratio indemnité-sinistre et donc augmentent les primes d'assurance souvent. Donc l'intérêt pour nous, c'est de bénéficier du groupement de commandes passé par le CIG, d'y basculer si notre propre appel d'offres s'avérait, enfin appel d'offres ou notre prime d'assurance à payer s'avérait plus élevée que celle que donnerait le CIG. Et du coup, ben voilà, je vous propose d'adhérer au groupement de commandes du CIG pour les assurances. Pardon. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette trépidante délibération ? Des votes contre, des abstentions à l'unanimité ? Merci. Délibération suivante concernant la révision du périmètre scolaire. Je passe la parole à Madame Siadoux. Merci, monsieur le maire. Lors du conseil municipal du mois d'octobre, nous avions annoncé la restructuration de l'offre scolaire de la commune qui a entraîné donc la fermeture des écoles Forain et Le Nôtre en septembre 2025. Donc, dans ce contexte, il est nécessaire de revoir le périmètre scolaire de la commune. Le code de l'éducation confie en effet au conseil municipal la détermination des périmètres scolaires des écoles publiques de la commune. Donc, les habitants de la commune doivent inscrire leurs enfants dans leurs écoles de secteur. Donc ce périmètre peut être amené à évoluer pour des raisons différentes. Donc la dernière modification datée notamment du 7 avril 2021 lors de la fusion de Boucher et Bastier. Donc aujourd'hui, nous avons 10 écoles donc, qui sont réparties sur 5 secteurs. Donc bon, comme vous le savez, il y a les travaux de rénovation et d'extension donc, de l'ensemble communal rue Générale Excelmons pour accueillir donc, les futures écoles Perrault-Langevin qui vont débuter en juillet 2023 pour s'achever en septembre 2025. Donc ce projet, c'est une réelle opportunité aujourd'hui de réexaminer le secteur de scolarisation des écoles Perrault et Langevin, mais aussi l'ensemble du périmètre actuel, suite aux différents constats que je vous avais déjà présentés, vieillissement de la population, baisse de départ de familles en province, des classes qui se vident, hein, puisqu'on en a 20, comme vous le savez. Le nôtre étant d'ailleurs fortement impacté avec un taux d'occupation de 53%. Donc il nous faut aujourd'hui poursuivre le travail de rationalisation et d'adaptation des équipements publics à l'offre d'enseignement pour une nouvelle répartition des effectifs scolaires, prenant aussi en compte la nouvelle géographie de la commune. Par exemple, il y a eu donc la fusion en 2019 et le périmètre n'avait d'ailleurs pas été revu à cette époque-là. Donc ce travail a conduit au regroupement et à la répartition des foyers potentiels de scolarisation donc sur 4 nouveaux secteurs. Je vous invite à prendre la page 6 du 21 piège jointe 2, piège jointe, le slide 6, où vous avez la carte comparative. Donc, ce redécoupage, il a été permis grâce à des études, des outils statistiques, notamment en partenariat avec la direction de l'ingénierie de Versailles Grand Parc. Avec aussi beaucoup de travail effectué par les services que je remercie le service scolaire à cette occasion parce que voilà, c'est un travail qui est assez considérable. Il a été aussi mené en partenariat avec les directeurs d'école parce que on s'était engagé avant la fin du mois de novembre d'échanger avec les directeurs d'école, les fédérations parents et les parents d'élèves élus. Donc on a rencontré réciproquement le 22 novembre et le 29 novembre. Voilà, donc il nous a permis d'obtenir cette nouvelle carte, sachant qu'on a toujours eu en tête le fait de maintenir les effectifs dans chaque école dans un souci d'équité de répartition et de capacité, d'avoir toujours à cœur d'avoir une proximité école-domicile et aussi de favoriser la mixité sociale qui reste aussi un enjeu important quand on revoit un périmètre scolaire dans une commune. Voilà, déjà, je veux aussi juste répondre pourquoi on revoit ce périmètre dès la rentrée 2023. Enfin, il nous a semblé important aussi de laisser le temps aux familles de pouvoir s'organiser, bon, principalement aux familles, bien sûr, hein, du périmètre Forain, le nôtre.
pour qu'elles puissent avoir 2 ans devant elles pour commencer à s'organiser, adopter leur nouveau secteur aussi par rapport au niveau de continuité pédagogique de leurs enfants. Et la deuxième raison aussi, c'est pour pouvoir mieux commencer à répartir les enfants sur les nouvelles écoles. Et donc avoir une montée progressive des effectifs et non pas en septembre 2025 avoir des enfants qui arrivent de toutes parts. Voilà. Donc ça permettait d'anticiper. Donc voilà, rapidement, puisque je ne vais pas vous refaire l'historique de ce travail-là, mais vous voyez donc les 5 anciens secteurs, hein, en violet qui était celui de Chèvreloup, en rose celui de Forain-le-Nôtre, en orange Guilmer-Aigle, bleu Perrault et en vert La Fontaine-Molière. Donc déjà, donc, dans les grandes lignes, côté Chèvreloup, il y a une certaine logique de tout ce secteur que récupère Chèvreloup, puisque l'école se retrouve presque au centre de ce nouveau périmètre. Pour Molière, il y a eu quelques modifications et ajouts, bien évidemment, de tout le secteur autour de Mignot notamment, et une partie de la rue de Versailles qui était aussi pas mal à la demande des enseignants pour une logique aussi, et des directeurs de trajet de proximité. Sur le secteur Aigues-Guinmer, donc il y a le secteur des Comtesses, le secteur Charles de Gaulle qui a aussi été rajouté à cette partie-là. Et par contre, tout le secteur au Boucher, Mouchotte, Square Mérimée et Bigeot qui ont été plutôt positionnés sur le secteur Perrault-Langevin. Et ensuite, je terminerai par le secteur Perrault-Langevin, donc qui a lui donc récupéré une partie des secteurs de Aigues-Guinmer et de Molière, comme vous avez pu le voir sur le commentaire précédent. Voilà, en conclusion, je voulais juste dire qu'il faut environ entre 3 et 5 ans pour qu'une carte scolaire soit effective. Parce que bien évidemment, il faut que vous ayez tous en tête qu'un enfant qui est scolarisé dans une des écoles de la commune reste dans son école jusqu'à la fin de son cycle. Sauf si bien évidemment, la famille demande à ce que l'enfant rejoigne son nouveau périmètre, son nouveau secteur. Et que si une famille a un frère ou une sœur qui va être amené à être scolarisé et qui a déjà un frère ou une sœur scolarisé dans l'école de l'ancien secteur, bien évidemment, cet enfant pourra rejoindre son frère ou sa sœur dans l'école de l'ancien secteur. Donc voilà, donc il est hors de question que l'on sépare bien évidemment des fratries et qu'on impose à des familles de changer d'école en cours de cycle. Voilà, donc il y aura bien évidemment à compter de janvier 2023 de nombreuses demandes des familles qui sont liées au nouveau périmètre, liées bien évidemment aussi à la phase travaux de Langevin, et on essaiera bien évidemment de répondre favorablement à tout ça. Je voulais vraiment souligner, j'ai déjà dit la qualité du travail du service scolaire dans ce dossier, et aussi les directeurs d'école, les fédérations de parents d'élèves et les parents élus, parce que voilà, vous savez que ça n'a pas été forcément très facile au mois d'octobre, et honnêtement, je peux vous dire, en tout cas avec nos principaux interlocuteurs, on est arrivé à une solution apaisée. Et voilà, c'est pas tout n'est pas fini. Il va y avoir encore les inscriptions, encore beaucoup de choses, mais en tout cas, on arrive vraiment à échanger et dans de bonnes conditions. Et voilà, donc j'ai terminé ce que j'avais à dire et j'essaie d'être rapide. Merci. Avant de passer la parole, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'alerte à la bombe. Il y a juste manifestement un coulis d'air froid, voire très froid. Donc s'il y en a d'autres qui sont à la verticale de flux froid, vous ne demandez pas l'autorisation, vous migrez pour ne pas définitivement périr. Je suis désolé que... Voilà. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cet exposé ? Je dis bien sur cet exposé, on ne revient pas sur toute la philosophie générale, si vous le voulez bien. Madame Alquier, puis Madame Bilger. J'ai quand même une intervention à faire. Et d'ailleurs, je vais la lire et j'enverrai le texte in extenso à Monsieur Charrère pour lui faciliter la vie. Voilà. Alors, nous aurons 3 remarques. La première, c'est sur le choix politique. Nous contestons votre politique contre les familles. 2, incohérence financière. Une dépense de 700 000 euros pour détruire ensuite, ça ne nous paraît pas raisonnable. Et 3, la méthode. Et votre délibération nous paraît illégale. Voilà. Donc, voilà. Alors, sur le choix politique, vous faites le constat d'une baisse du nombre d'élèves depuis 10 ans. Vous parlez de vieillissement et de baisse de la démographie. Et puis, vous baissez les bras. Or, de 2018 à 2020, le nombre de naissances au Chesnay-Rocancourt a augmenté de 20%. Vous parlez de fermer des crèches sous prétexte que ce n'est pas une obligation municipale, alors que 117 enfants sont sur liste d'attente pour avoir une place.
Ce qui est inédit d'ailleurs, auparavant, tout le monde avait une place. Cela montre bien que le nombre d'enfants augmente. Où vont aller ces enfants ? Pour nous, il y a un manque de perspective évident. Ce que vous proposez est une baisse de moyens sous couvert d'économies et un très mauvais signal pour les familles, alors que le nombre et la proximité des crèches et des écoles est un élément très important d'attractivité d'une ville et de renouvellement des générations. Nous avions là un pôle unique majeur au centre de la ville avec un collège proche, une école maternelle, une école élémentaire, une crèche, un gymnase, tout ce qu'il faut pour faciliter aux parents l'accès aux enfants d'âges différents. Avec ces fermetures, un grand quartier de la ville se retrouve sans site scolaire et nous perdons la proximité pour de nombreuses familles avec des groupes scolaires tous situés à la périphérie de la ville. Où est votre politique familiale ? Vous avez fortement augmenté les tarifs des cantines et des activités périscolaires. L'augmentation de 30% de la taxe foncière touche particulièrement les jeunes couples qui s'endettent pour acheter leur logement. Maintenant, vous fermez des écoles. Vous envisagez de fermer des cantines, vous l'avez dit. Visiblement, la politique familiale ne vous intéresse pas. La mobilité du marché immobilier, à un moment bloqué avec la pandémie de Covid, reprend. De nouvelles familles vont sans doute arriver sur la ville. On peut aussi, par exemple, envisager une politique d'aide à l'accession à la propriété pour les jeunes familles avec le nouveau dispositif BRS, le bail réel solidaire, qui permet de dissocier le foncier du bâti pour faire baisser le prix des logements. Bougival en fait déjà l'expérience. Nous avons une autre ambition pour notre ville que la vôtre et nous voulons garder un cœur de ville vivant et accueillant pour toutes les familles. Deux, incohérences financières. Nous ne comprenons pas votre volonté de dépenser 1 621 000 euros sur le site Jean-Louis Forain avec la rénovation de l'école de musique qui se trouve au-dessus de l'école maternelle et du gymnase Jean-Louis Forain alors qu'ils seront détruits bientôt. C'est... Alors, des fois, c'est 2 ans. Maintenant, c'est 8 ans. Enfin, on ne sait pas. On ne sait pas, en fait. Ce n'est pas clair. Vous n'avez pas de position claire. C'est beaucoup d'argent employé à perte, sans commune mesure avec les quelques économies d'énergie qu'on pourrait en tirer. Troisièmement, la méthode. Sur un plan juridique, nous soulignons le caractère peut-être illégal de cette délibération. En effet, vous nous présentez une délibération nommée « Révision du périmètre scolaire » à compter de l'année scolaire 2023-2024, après nous avoir annoncé en octobre 2022 la fermeture des écoles Jean-Louis Forain et le nôtre. Nous contestons formellement cette délibération car elle présuppose une modification de la carte scolaire qui n'a pas été faite en conformité avec les textes relatifs à la carte scolaire. La carte scolaire, c'est ce qui définit les ouvertures et les fermetures d'écoles. Ni voté en conseil municipal. Votre délibération présuppose ce que vous avez déjà annoncé comme décision. La procédure prévoit notamment la communication des avis du conseil départemental, de l'éducation nationale et des conseils d'école que nous n'avons pas. Le point d'information de votre décision effectuée in extremis lors du conseil municipal du 19 octobre 2022 ne peut valoir délibération. Nous voyons là encore un exemple de votre méthode du fait accompli, qui ne se préoccupe guère des règles légales. Incohérence, précipitation, absence de concertation, absence de communication, absence de visibilité, voilà le constat que nous faisons aujourd'hui. Et si cela se confirme, nous porterons un recours si cette délibération est votée. Très bien. Madame Bigère, vous avez la parole. Je vous remercie. Je ne souhaite pas revenir effectivement sur le fond dont nous avons débattu lors du précédent conseil municipal. Donc je reviens à la délibération. En fait, je souhaitais savoir dans cette, même si ma question va être difficile, je pense, mais avoir au moins une idée dans cette projection de carte de nouveau périmètre scolaire. Quelles sont les capacités d'absorption, si je puis dire, de chaque école que vous laissez libre ? Puisque, alors, je reprécise ma pensée. Nous fermons une école, deux écoles.
suite à une baisse effectivement de la population, 20 classes vides, ok. Mais la volonté politique de votre groupe est bien de multiplier les logements sociaux. Qui dit multiplication des logements sociaux ? Qui dit multiplication des logements sociaux dit, je l'espère, arriver de nouvelles familles, ce qui supposerait des places dans les écoles. Donc ma question, pour revenir, est de savoir effectivement dans ce nouveau périmètre, quel est le nombre de classes par rapport au nombre d'élèves aujourd'hui et qu'on peut envisager. En fait, l'idée est de savoir est-ce qu'on est vraiment au taquet de ce qu'on peut ou pas. Parce que dire qu'il y a 20 classes vides aujourd'hui, d'accord, mais dans la perspective de demain, quel est le nombre de classes aujourd'hui ? Alors, en fait, il faut savoir qu'en maternelle, il y a une classe vide dans chaque école. Oui. Alors, les projections en maternelle, en fait, je ne suis pas en mesure de les faire parce que les enfants ne sont pas nés dans la grande majorité. Oui. Puisque là, les enfants qui rentrent... Que c'était compliqué comme question. Oui. C'était compliqué voilà, comme donc, question. Donc, mais... la maternelle, voilà, je suis désolée, mais ce n'est pas possible. Voilà. Et après, en élémentaire, on a aujourd'hui donc 20 classes de libre sur l'ensemble de la commune. Donc, on en a 5 en maternelle et on en a 15 en élémentaire. Donc là, on va encore avoir des classes de libre dans chacune des écoles. Puisque aujourd'hui, Guilmer, il y en a 4 de libre. À Langevin, il y en a entre 2 et 3 parce qu'aujourd'hui, on est toujours à ouvrir, on ferme une classe. À Chèvre-Loup, il y en a 3. Et à Molière, il y en a encore une. Et là, quand on parle... pour répondre à votre question qui est aujourd'hui, enfin, je peux pas y répondre de façon précise, mais par exemple, si on disait voilà, la carte scolaire, c'est septembre prochain, on prend chaque enfant et on les met là où ils doivent aller, d'accord ? Et ben sur Guilmer, on en rajouterait 23, donc on est large, on a 4 classes de libre. Sur Langevin, on en rajouterait 6, enfin d'enfants, hein, je parle, donc voilà. Oui. Sur Chèvre-Loup, 52, on a 3 classes de libre. Et sur Molière, 41. Donc, voilà. Non, en fait, c'était ma question. Mais déjà à périmètre. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Non, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mmh. Mais déjà à périmètre comparable aujourd'hui. Mmh. Et quel est effectivement le delta pour l'avenir ? Puisqu'effectivement, là, je rebondis sur la politique familiale et je l'avais évoqué la dernière fois. On ne peut pas baisser les bras effectivement sur une politique familiale en disant qu'au Chesnay, sous prétexte que l'immobilier est trop cher, on n'aura plus de famille. Mmh. Donc, ou alors, on se rétrécit. On baisse les bras sur rien, mais vous connaissez mieux que moi le secteur de l'immobilier. À un moment, moi, je veux bien qu'il y ait des tas de jeunes couples qui s'endettent pour acheter au Chesnay. Il faut avoir quand même beaucoup d'argent pour quand on est un jeune couple pour venir acheter au Chesnay aujourd'hui. C'est une réalité de marché. Je voudrais juste rebondir sur la question des logements sociaux. La dernière opération où on a pu objectiver l'impact de l'arrivée de familles dans des logements sociaux sur nos écoles, ça a été le peuplement de la résidence Mouchotte. Grosse opération avec 52 logements. Sous le contrôle de Véronique, impact sur l'école Guilmer. Il y avait sur Mouchotte et Psycari, on avait fait les études, on avait estimé 30 enfants, on en a eu 10 voilà. Dans les écoles. Donc, et pour compléter le tableau, fin de la triennale, on va produire 200 logements sociaux sur les 3 ans qui viennent de s'écouler. C'est pas faute d'y passer du temps, beaucoup de temps. Donc avant, si on fait une bête règle de 3, qu'on remplisse les 20 classes de vide à la vitesse où s'écoule l'eau sous les ponts, on sera tous à la retraite, qu'on n'aura pas rempli nos 20 classes. Donc je ne peux pas aujourd'hui garder en stock des écoles en prévision de peut-être soit du rebond de natalité, soit de l'arrivée de logements sociaux. Et voilà, c'est beaucoup trop aléatoire. Et les dernières opérations qu'on a faites, honnêtement, c'était quand même une vraie déception parce que le site de Mouchotte cochait toutes les cases en termes de typologie de logement, de proximité avec des écoles, etc., pour voir avec des familles, 10 enfants. Voilà, 10 enfants alors qu'on espérait une classe. C'est ça la réalité. Je ne porte pas de jugement. On sera ravis d'accueillir des familles, mais il faut quand même juste un moment collectivement ouvrir les yeux. Les gens qui arrivent au Chesnay aujourd'hui, ils ont quand même plutôt une tête de jeunes retraités que de jeunes parents. C'est comme ça. Oui, tu peux rajouter. Alors, je voudrais rajouter quelque chose par rapport aux enfants qui vont arriver cette année à l'âge de 3 ans, puisque nous savons dans les crèches combien on a d'enfants qui vont avoir 3 ans et donc rentrer à l'école. Donc on a environ 200 enfants, ce qui est beaucoup par rapport à d'habitude, qui sont supposés rentrer dans les écoles. Mais manifestement, nous avons beaucoup de pertes au feu dans le passage, sachant qu'il y en a une bonne partie qui va dans les écoles privées. Donc nous allons faire une étude, c'est la première fois, de savoir
Alors, je ne vais pas faire ça nominativement, mais combien d'enfants viennent chez nous, on va le savoir vite fait. Et savoir où vont les enfants qui vont dans les écoles privées. Parce que ça ne veut pas dire, les études qu'on a ne montrent pas que nous avons moins d'enfants. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les crèches, on en a beaucoup. Parce que dans les crèches, il n'y a pas de solution, il y a très peu de solutions privées. Voilà. Merci. Merci, Madame Alquier. Oui, si le projet de Madame Pécresse, qui est celui de flécher de façon un peu plus précise par les communes, on peut espérer que nous aurons effectivement des familles, des infirmières, On va flécher des soignants. Je suis bien incapable de vous dire si les soignants qui vont arriver seront des familles avec enfants, etc. En tout cas, ce ne sont pas des retraités. Et oui. Puis, je voulais quand même signaler que vous... Je parle des gens qui achètent, pour les retraités. Que vous supprimez 16 classes. Pas pour les logements sociaux. Vous supprimez 16 classes. Donc, il va pas, sur les 20 qui sont en trop, il en reste 4. Donc, on peut dire ce qu'on veut. Il ne reste pas grand-chose. On va pas réouvrir le débat sur le sujet. Le sujet, je vais vous rappeler globalement, monsieur. Voilà, on va revenir, si vous voulez bien, on va revenir sur l'ordre du jour. Et donc, si tout a été dit sur la révision du périmètre scolaire, je proposais de passer au vote. Y a-t-il des votes contre l'adoption de cette modification? Madame Alquier et son groupe et ses pouvoirs. Y a-t-il des abstentions? Le reste, une abstention et pour le reste, à la majorité. Merci beaucoup. Délibération suivante, c'est moi qui la présente. Elle concerne la création d'une réserve communale de sécurité civile. Cette proposition de délibération fait suite à presque 3 ans de crise que nous traversons, crise de toute nature, mais évidemment, la crise sanitaire nous aura pas mal marqué. Celle qui se profile à l'horizon sur la crise de l'énergie avec des possibles coupures ne fait que renforcer pour nous la nécessité de structurer l'accueil des bénévoles et notamment ceux qui sont venus nous aider pendant la vaccination. On pense qu'on a un potentiel de gens qui peuvent venir nous aider. On souhaiterait offrir un cadre réglementaire. Et donc la réserve communale de sécurité civile permet d'accueillir dans de bonnes conditions et notamment en structurant les missions qui seront exclusivement des missions de sécurité civile telles qu'elles sont listées dans ce projet de délibération, nous permettra donc demain de pouvoir compter en période de crise sur, nous l'espérons, une vingtaine de nos administrés qu'on pourrait encadrer, former et appeler dans des conditions extrêmement rapides, parce que la caractéristique d'une crise, c'est qu'elle se déclenche en général sans préavis et que c'est plus simple d'avoir des gens que nous connaissons, que les services connaissent, qui savent ce qu'ils ont à faire pour pouvoir demain nous épauler. Donc, c'est pas que je souhaite qu'il y ait des crises dans les années qui viennent, mais j'ai bien peur que ce mandat ne soit pas marqué par la tranquillité la plus absolue en matière d'événements extérieurs. Voilà, donc sans plus de détails, puisque le projet répertorie à la fois la nature des missions et les coûts que la collectivité pour engager, pour accueillir et encadrer ses réservistes, c'est-à-dire environ 4 000 euros par an. Voilà, je vous propose d'adopter cette délibération qui nous permettra de fidéliser les bonnes volontés qui sont nombreuses dans cette commune et qui sont pour beaucoup d'entre elles déjà venues nous aider pendant la période de vaccination. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur ce projet de délibération? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions à l'unanimité? Merci beaucoup. Je passe la parole à Madame Parmentier pour une pause gourmande avec une évolution du contenu de l'offre et des tarifs de l'offre de restauration du patio de la Grande Seine. Madame Parmentier. Merci, Monsieur le Maire. Lors du conseil municipal du 19 octobre dernier, on avait approuvé la nouvelle carte proposée au patio de la Grande Seine du Chesnay, ainsi que les tarifs applicables à la vente. Dans la grille tarifaire soumise au vote, le tarif des planches fromage et charcuterie était proposé à 8 ou 10 euros, appelant un choix de l'Assemblée. Celui-ci n'a pas été fait et la délibération a donc été adoptée en l'état. Donc aujourd'hui, compte tenu des prix de revient des denrées que la tendance inflationniste est venue renchérir, le prix de vente devrait s'établir à 10 euros. On vous propose donc aujourd'hui de voter pour la grille tarifaire ainsi corrigée, applicable dès que la délibération sera rendue exécutoire, de façon à dissiper la fragilité juridique de la grille tarifaire actuellement en vigueur. Il n'y a guère que dans un conseil municipal qu'on peut avoir une aussi grande variété dans le contenu des délibérations. Y a-t-il des souhaits d'information sur le tarif de la planche à fromage? Il n'y aura pas de tarif réduit, je le précise. Des votes contre, des abstentions à l'unanimité. J'en profite pour rappeler que vous êtes tous des vecteurs de communication pour vos amis, vos voisins qui vont au théâtre, à la Grande Seine, de rappeler que cette offre a été rétablie et qu'elle est plutôt de bon niveau et qu'elle est faite pour être utilisée. Merci beaucoup, Madame Parmentier.
Monsieur Ribert, je vous redonne la parole pour une proposition d'adhésion au CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Merci, monsieur le maire. Alors, le CEREMA a une grande histoire. Il est le descendant, finalement, du création du service des phares et balises qui a été créé à l'après-guerre ou encore des ponts et chaussées centrales. Aujourd'hui, il a fusionné 11 services d'établissements publics et il est sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et depuis le 18 novembre, ils ont changé leur système de gouvernance et d'acceptation finalement du niveau de collectivité. Et donc les communes peuvent y adhérer. Le CEREMA, il intervient auprès de l'État, des collectivités territoriales et des entreprises pour aider à réussir le défi de l'adaptation au changement climatique dans 6 domaines structurants: l'expertise en ingénierie territoriale, bâtiment, mobilité, infrastructure de transport, environnement et risque, mer et littoral. Vous doutez que certains, on va plus les utiliser que d'autres. Mer et littoral, a priori, on ne devrait pas avoir besoin de leur domaine de compétences. Il y a donc eu une évolution de gouvernance et du mode de contractualisation avec le CEREMA. C'est une démarche qui est inédite pour ce type d'organisme. Elle fait donc du CEREMA un établissement d'un nouveau genre qui va permettre aux collectivités d'exercer un contrôle et de prendre activement part à la vie et aux activités du CEREMA. Cette adhésion permettrait à la commune de s'impliquer, de contribuer et renforcer l'expertise publique territoriale. La commune participe ainsi directement ou indirectement à la gouvernance de l'établissement par le biais de représentants au conseil d'administration, conseil stratégique, etc. De disposer d'un accès privilégié et prioritaire à l'expertise du CEREMA, la quasi-régie conjointe autorise les collectivités adhérentes à attribuer des marchés publics au CEREMA par simple voie conventionnelle sans application des obligations de publicité et de mise en concurrence. De bénéficier d'un abattement de 5% sur ses prestations et enfin de rejoindre une communauté d'élus et d'experts et de disposer de prestations spécifiques. Donc la période initiale d'adhésion est court jusqu'au 31 décembre de la quatrième année pleine. Le montant annuel est donc calculé par le nombre d'habitants avec un abattement de 50% pour 2023 et s'élève donc à 780,83 €, monsieur le maire. Merci de cette présentation détaillée. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette intention d'adhésion ? S'il n'y en a pas, avant de vous demander de voter, je vous propose de désigner M. Benoît Ribert comme représentant de la commune au titre de cette adhésion. S'il n'y a pas d'autres candidatures, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? À l'unanimité, merci. On reste dans le petit monde des adhésions, dans un autre domaine. Cependant, avec une proposition d'adhésion au syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne, le CIFUREP. Madame Téménides, comme c'est vous qui avez la délégation, c'est vous qui présentez. Merci. Donc le CIFUREP, c'est le syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne, donc CIFUREP, qui a été constitué en 1905. Il a pour mission d'accompagner les communes adhérentes dans l'organisation, la gestion et le contrôle du service public funéraire sur leur territoire. Aujourd'hui, il compte 108 collectivités territoriales adhérentes qui représentent une population de plus de 4 millions d'habitants. Oui, 4 millions. Ce sont essentiellement des communes en fait, de la première couronne aujourd'hui. Et d'ailleurs, eu connaissance grâce à la nouvelle responsable des affaires générales qui vient du centre de Nanterre et qui donc connaissait bien le CIFUREP, auquel la ville de Nanterre adhérait. Donc le syndicat a 3 compétences, une compétence historique service extérieur des pompes funèbres, une compétence crématorium et site cinéraire et une dernière compétence cimetière pour les communes qui souhaitent déléguer la gestion de leur cimetière. Moi, je voudrais rappeler que les communes ont l'obligation de prendre en charge les frais d'inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes qui sont décédées sur le territoire communal. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'on a un hôpital sur notre territoire communal, et donc cette obligation est particulièrement alors, contraignante ou en tout cas présente pour la collectivité. Et la prise en charge aujourd'hui avec nos entreprises, c'est de l'ordre de 2 000 € par inhumation. Il se trouve qu'en adhérant au CIFUREP, la prise en charge est faite par le CIFUREP qui a constitué, qui a passé commande et qui a une entreprise qui travaille pour cela. Et donc pour les adhérents au CIFUREP, cette prise en charge est gratuite. Pour adhérer au CIFUREP, il faut verser une contribution annuelle forfaitaire qui dépend du nombre d'habitants. En 2022, c'est 0,05360 € par habitant, soit 1 676 € pour la commune du Chesnay, donc inférieur aux 2 000 € dont je vous parlais pour les inhumations. Donc d'un point de vue strictement financier, c'est déjà intéressant en soi. En outre, l'adhésion permet aussi pour les familles décédées
chaînes courtoises de bénéficier de ces tarif intéressant. Et ça permet, comme dans toute adhésion à un syndicat, d'avoir des conseils, de l'assistante et de partager, on va dire, des bonnes pratiques. Et donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'adhésion de notre commune à ce CIFUREP pour la compétence service extérieur des pompes funèbres. Et dans ce cadre-là, comme dans tout syndicat, on vous propose de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant pour le comité syndical du CIFUREP. Et les représentants titulaires, c'est Mme Thémenides, et suppléante, c'est Mme Kelly, s'il n'y vaut pas d'opposition, s'il n'y a pas d'avis de concurrence, qu'on pourrait qualifier de déloyale si jamais... voilà. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette adhésion syndicat? Voilà, et l'occasion pour moi de redire que dans les missions effectivement un peu délicates de devoir procéder à la prise en charge des frais pour les indigents, nous rappelle que dans une société dite civilisée, on a encore aujourd'hui des gens qui décèdent sur notre territoire et pour lequel, après enquête, on ne trouve pas l'ombre d'un membre même éloigné d'une famille pour prendre en charge ses obsèques. Voilà, c'est fait partie des découvertes pour moi, mais je partage ça avec vous. Si pas d'autres souhaits d'intervention, pas de vote contre, pas d'abstention, à l'unanimité, merci. Alors, moment extrêmement délicat pour moi, je réouvre la marmite des dérogations au repos dominical et des commerces de détail, mais pour mieux la refermer dans à peu près 10 secondes, monsieur Jarige. Oui, merci monsieur le maire. Donc cette délibération a été présentée donc le 24 novembre et adoptée, mais au vu donc et à la lecture, il y avait une erreur en termes de date. Et il vous est demandé donc de ce soir donc de voter pour un changement de date qui est donc un remplacement d'une date qui était fixée au mois d'août par une date qui sera fixée au mois de janvier lors des périodes des soldes. Voilà, c'est juste un aspect technique de cette délibération. Donc sans réouvrir le débat, mais en essayant d'être respectueux du vote, notamment pour ceux qui ont des procurations, donc j'essaie de faire appel à vos souvenirs, donc pour ne pas donner l'impression qu'on passe en douce, etc. C'est vraiment technique, et donc on ne voit pas tout le débat, mais donc pour ceux qui ont des... Monsieur Pommery. Oui, alors voilà, donc prenez le temps de vérifier de qui vous êtes voilà, les porteurs. Donc y a-t-il des votes contre? Et pour ceux qui ont des procurations, essayez de donner les noms pour que l'administration s'y retrouve, et ça vaut pour la majorité. Hein. Alors... Madame Lemenet, ok. Monsieur Pommery, vous portez une procuration? Non. Ok. Non. Dans la majorité, vu les votes, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont voter contre ou pas. Alors, monsieur Vengère, c'est le moment. Hein. Non, c'était abstention. Hein. Abstention. Il y avait un Bélier. Donc, il n'y a que Madame Lemenet en vote contre. Oui. Alors, abstention. Madame Loncle Duda, Madame Godot, monsieur Soleil, Madame Bélier, monsieur Vengère, monsieur Darentière, monsieur Voiseux. On est bon pour les autres qui ne dit mot consent. Donc on doit avoir la majorité. C'est bon pour vous, Benoît? Non. Oui, c'est ça. OK. Et pour ceux qui avaient des pouvoirs, moi j'en ai compté 7 des abstentions, je crois. 7, oui. Alors relevez la main les abstentions. Monsieur Dorentière. Monsieur Vengère. OK. On est bon. Merci beaucoup. Je passe à la délibération 28 concernant le bilan de la mise à disposition du public et approbation de la modification. Ah ben, il y a Madame Siadou, donc on a rajouté une petite pour la route. Oui, ou en train de bavarder. Modification du plan local d'urbanisme du Chesnay, bilan de la mise à disposition du public et approbation de la modification. Madame Thémenides, vous avez la parole. Merci. Alors, je ne vais pas revenir sur toute la procédure. Donc, je vais vous dire que le bilan... ça m'a perturbée, du coup. Que le bilan apparaît globalement favorable. On a d'une part consulté là, les personnes publiques associées. Les 9 avis reçus ont tous été favorables. Il y a eu un complément qui a été fait au rapport de présentation pour répondre à une observation du préfet concernant des déplacements liés à l'école, donc des zones de dépose minute, entre autres, ou des mises à disposition d'emplacement. Il y a eu, à mon grand regret, une seule observation du public. On avait mis à disposition le dossier pendant un mois au service urbanisme, et donc on en a eu une qui n'était en fait pas directement liée au projet lui-même. Donc mon regret, c'est juste le fait qu'il y ait eu une personne, hein. c'est pas qu'il y ait une seule observation. Et donc le bilan est globalement favorable, ce qui fait que l'état du dossier permet aujourd'hui de le présenter au conseil municipal pour prendre acte du bilan et approuver la modification simplifiée. Voilà. Bravo, Madame Thémenides. Y a-t-il des souhaits d'intervention ?
sur cette délibération pour laquelle il va nous être demandé de prendre acte. Mais si vous souhaitez prendre la parole avant de prendre acte, vous pouvez. Si pas de souhait de prise de parole, je vous propose donc de prendre acte de cette délibération. Alors, j'ai pas compris. Oui, mais c'est bon. Donc normalement, on est bon. Alors, délibération numéro 29, rapport annuel sur les services publics délégués pour la gestion du marché forain pour l'exercice 2021. Monsieur Jarry, je vous donne la parole. Comme vous le savez, donc, notre marché rue des Deux Frères, dans le marché forain rue des Deux Frères, est géré sous forme d'une délégation de services publics. Il est géré donc par la société L'Oiseau Marché, qui chaque année donc nous présente ses comptes donc à date du 30 juin. Donc 2021, donc bon, l'exercice 2021-2022. Donc il vous est donc proposé donc d'approuver donc les comptes qui ont été joints donc par un rapport précis et complet de la maison L'Oiseau Marché. Merci Monsieur Jarry. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce rapport qui arrive un peu in extremis parce que c'est le rapport de l'année 2021. Il était grand temps que nous l'examinions. Non, mais il termine au 30 juin. C'est pas ça. 30 juin 2021-22, je veux dire. D'accord, ok. Ça fait un an. C'est l'escolaire, ok. Ça va. C'est bon. Des souhaits d'intervention, des votes contre, abstention à l'unanimité. Merci. Monsieur Rospini, délibération concernant la présentation traditionnelle, elle aussi, du rapport d'activité annuel pour l'exercice 2021 du CIGEF sur la partie électricité, EDF et Enedis. Alors effectivement, la commune du Chénard-Rocancourt adhère au CIGEF pour trois missions historiques, l'acheminement de l'électricité, l'acheminement du gaz et aussi l'aspect achat de gaz. Donc la première délibération qui vous est présentée ici concerne le rapport d'activité 2021 du concessionnaire EDF Enedis. Je vous rappelle que le traité de concession a été renouvelé par le CIGEF en 2019. Et j'ai eu l'occasion en CCSPL de présenter les principaux éléments de ce rapport d'activité. Aussi, j'inviterai les membres du conseil municipal de jeter un œil à ce rapport qui est assez complet et qui nous donne une vision précise de notre réseau électrique. Et la présente délibération est de prendre acte du rapport d'activité du concessionnaire. M'enlever les mots de la sauf bouche. Si vous avez des questions, je Madame Alquier. Trois mots, oui. Pour Alors, plus, il y a affinité. Allez-y. Alors, Madame Alquier va prendre la parole. Non. Je vous demande quelle est, en gros, la conclusion, qu'on ait au moins trois mots sur le sujet. Quoi. Alors, trois mots sur cette concession d'acheminement électrique. On a une clientèle sur le Chénard-Rocancourt qui est très stable. On a cette année une taxe sur la consommation finale d'électricité, ça va vous intéresser, qui est à peu près assez sensiblement la même que l'an dernier à hauteur de 455 000 euros. L'ER2, essentiellement, c'est-à-dire la redevance sur les investissements, ne porte que sur des travaux d'éclairage à hauteur à peu près de 200 000 euros. Et nous avons récupéré donc 19 000 euros au titre de cette redevance. On a une redevance aussi d'occupation du domaine public de l'ordre de 17 966 euros. Notre réseau souterrain sur le Chénard-Rocancourt ne connaît que peu d'évolution. Il est à peu près 84%. Voilà. En 2021, il n'y a pas eu beaucoup de travaux. C'était une année post-Covid. Est-ce que ça vous convient ou... Voilà, globalement, sachez quand même qu'au CIGEF, il y a une commission de contrôle qui est très active et qui produit chaque année un rapport de contrôle qui doit sans doute être téléchargeable directement sur le site du CIGEF. Vous trouverez tous les éléments là-dessus. Donc, je vous propose je rappelle que de délibération, prendre acte voilà, du rapport la d'activité. Délibération consiste à prendre acte de la remise du rapport. Voilà. Pas forcément de faire des commentaires. Alors après, je note qu'habituellement, nous avions un extrait par commune.
les autres années. On a un extrait par commune. Mais je ne le vois pas dans le rapport, par contre. Il a été transmis. D'accord, il est sur les tablettes. D'accord, ok. C'est bon. Non, mais je n'ai pas dans mon rapport papier. J'en ai fait état. D'accord, je me suis inspiré de ces chiffres clés relatifs au Chénère en concours. Eh bien, dans je vous en remercie. La CCSPL. Et comme vous parlez très bien de l'électricité, M. Rospini, vous allez nous parler du gaz maintenant. Alors, le gaz, écoutez, je vous propose donc de vous parler du gaz. Effectivement. Sur deux aspects. D'abord, que le concessionnaire gaz, qui est GRDF, a été renouvelé. Le nouveau contrat de concession a été signé en 2022. C'est un contrat de concession pour 30 ans. Là, on terminait le contrat de concession de 30 ans également. C'est une longue durée. Si vous voulez quelques éléments en ce qui concerne le gaz, je vais vous les donner. On a à peu près 57 km de conduite de gaz avec un réseau moitié-moitié polyéthylène et acier. On a peu de fonte ductile. Alors que c'est un matériau qui pose un peu des problèmes relatifs aux fuites. Et par contre, le CIGEF, lui, à l'échelle des 9529 km, c'est-à-dire très important, a une activité forte, les autres communes, pour essayer de réduire cette part de fonte ductile. Voilà. L'âge du réseau est à peu près de 30 ans pour le Chénet-Roquencourt et 36 ans pour le 30 ans pour le CIGEF et 36 ans pour le Chénet. Mais bon, on connaît des âges de matériaux beaucoup plus importants pour certains matériaux. On avait 6310 clients. On a connu une petite augmentation de 4,5% entre 2020 et 2021. Il y a des recettes. Il y a une redevance d'occupation du domaine public par les canalisations de l'ordre de 2000 et quelques euros par an. Et donc, là, j'ai présenté tous les éléments en CCSPL. Et donc, la délibération suivante est de prendre acte du rapport du concessionnaire qui a été donc renouvelé en 2022, même si là, je vous présente le rapport 2021. Et si vous en êtes d'accord, je vais vous faire un petit aparté, puisque on fait partie du groupement d'achat de gaz au niveau du CIGEF. Il y a un certain nombre de communes qui se sont regroupées pour acheter du gaz. Et donc, cette année, il y avait le CIGEF a reconduit l'achat de gaz pour la période 2023-2025 avec 5 lots. Il y a un lot 2 qui est des petits sites de consommation et le lot 4 qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le lot pour les gros sites de consommation, les écoles, etc., et qui a été attribué à Total Energy, et le lot 2 a été attribué à Engie. En ce qui concerne le gaz, vous imaginez bien la conjoncture internationale sur cette molécule de gaz qui est un marché donc très volatile, qui a connu jusqu'en 2022, nous étions avec un tarif en dessous de 20 euros le mégawattheure. Et puis, l'année 2022, je vous en parle un petit peu parce que c'est d'actualité. C'est vrai que 2021, il n'y avait pas ces aspects-là. Le prix du gaz s'est envolé, au-delà de 300 euros mégawattheure. Depuis, il est revenu à quelque chose de plus raisonnable, je ne sais pas, lors de 125 euros. Et je voulais vous informer que le CIGEF avait... procéder à l'achat à l'heure où je vous parle, de 80% du volume de gaz pour l'année 2023 à hauteur de 125 euros. Et le 17 décembre, dans quelques jours, il procédera à l'achat des 100 également auprès de Total Energy dans le cadre d'un marché d'accord cadre, marché subséquent. Tout ça pour vous dire qu'à 125 euros, vous voyez que ça fait un grand pas entre une vingtaine d'euros et 125. Donc, ce qui veut dire que ça explique les charges supplémentaires qu'on a au niveau du coût de l'énergie. Et simplement, je voulais vous faire part de cela, vous dire que l'ensemble du fournisseur de gaz pour la commune sera
acheté le 17 décembre à un prix notablement plus élevé que ce qu'on avait par le passé. Et je vous prends donc acte, si vous voulez bien, du rapport d'activité du concessionnaire GRDF, nouvellement reconduit en... Ils ont l'air de bien le vouloir. À la fin de l'année 2022. Ceux qui sont encore vivants, parce que là, j'ai l'impression d'avoir une espèce de club de marmottes en face de moi. Je pense que je vais pouvoir passer tout un tas de délibes sensibles. Ils sont imposés. Bien, merci beaucoup, Monsieur Rospini. Nous allons passer sur la dernière délibération qui a fait l'objet donc, de la demande d'inscription en urgence et qui concerne, le terme technique est remarquable, l'aliénation d'un mobilhome. Monsieur Soleil, vous avez la parole. Oui, ce mobilhome a longtemps servi comme logement pour le gardien du CTM. Aujourd'hui, il gêne, puisqu'il ne sert plus à rien. Il est complètement amorti. Il se trouve qu'on l'a mis en vente sur le site d'enchères en ligne Agora Store et qu'il y a eu une proposition d'achat pour 9 467 euros, ce qui est complètement inespéré. Donc, bien évidemment, on donnerait volontiers suite à cette proposition d'achat. Mais pour ça, il faut l'accord du conseil, parce que pour tout ce qui dépasse 4 600 euros, le maire ne peut pas décider tout seul. Donc, on vous demande si vous êtes d'accord pour vendre ce mobilhome à 9 467 euros. Y a-t-il une meilleure offre d'ailleurs que celle-là? On ne sait jamais. Peut-être qu'un amateur d'art moderne pourrait... Si pas de souhait d'intervention, pas de vote contre, pas d'abstention à l'unanimité. Donc il reste, on redit bien que c'est juste pour autoriser. Pour l'instant, la vente n'est pas faite non plus. Cette recette n'est pas complètement acquise. Et l'histoire nous a appris que dans ce genre de séquence, des fois, l'acquéreur... se retirer. Mais, pour derrière, derrière cet acquéreur, il y en a d'autres, parce que c'est une enchère. Donc ça, c'est le mieux disant. Voilà. Mais il y a le deuxième mieux disant. Mais donc c'est pour dire qu'on n'a pas signé. Hein, okay. Bien. Avant de passer... Alors, cette délibération est intéressante, puisque je ne peux pas ne pas passer devant le Conseil pour demander ça. Le sujet que je veux aborder avec vous, je ne suis pas obligé de l'aborder en Conseil. Pour autant, il me paraît nécessaire d'abord de partager la décision que j'ai prise et de faire un point d'info très rapide, parce qu'on y reviendra. Donc je demande à la technique si elle veut bien me mettre à l'écran. J'ai décidé de donner une suite favorable à une proposition d'expérimentation, je redis bien tous les termes sont importants, d'expérimentation, de mise à disposition pour le public d'une offre de mobilité en libre-service qui n'est pas confidentielle défense, puisque cet opérateur opère sur... deux communautés d'agglomération voisines et sur quasiment la moitié des communes de Versailles Grand Parc. Il opère également à Paris. Il propose aux collectivités une expérimentation qui ne coûte quasiment rien, exception faite de la mise en peinture des zones de stationnement. Cette décision, j'étais amené à la prendre dans les jours qui précèdent, et donc elle fera l'objet d'une information détaillée dans les commissions. Mais je voulais rapidement, alors même si toutes les infos sont accessibles sur Internet, hein, il n'y a rien de secret défense, mais que vous ayez en tête de quel opérateur il s'agit. Donc vous voyez la zone d'intervention et les villes et communautés d'agglomération où cet opérateur travaille depuis maintenant plusieurs mois et pour certains endroits plusieurs années. Donc on n'est pas sur un primo, un nouvel entrant, on est sur un opérateur qui a fait le choix de s'installer, donc c'est un opérateur français qui opère avec du matériel allemand, qui a installé sa base logistique à Orgeval, qui dessert tous ses points de stationnement avec des véhicules électriques. L'expérimentation ne nécessite aucune infrastructure puisque tous les véhicules sont équipés de batteries, donc en fait tous les soirs l'opérateur vient changer les batteries, donc il n'y a pas besoin de prise, hein, c'est pas la même manip que pour les IRVE. C'est une prestation qui est payante, donc y a pas de, voilà, c'est un service payant. Pareil, vous pouvez aller sur internet, hein, on reviendra sur les tarifs, mais ayez en tête que le modèle classique, c'est un abonnement de 5 euros par mois qui permet un déverrouillage illimité et 20 centimes par minute, et compte tenu de la durée moyenne des parcours, on est sur des parcours moyens de 10 minutes, donc quelqu'un qui souhaiterait utiliser le service, il prend un abonnement mensuel de 5 euros et chaque course lui coûte 2 euros. C'est évidemment une offre de complément qui ne vient en rien se substituer, ni au bus, ni à Dieu sait quoi, etc. Ça nécessitera qu'on choisisse des emplacements, et donc c'est sur cette séquence que je prends le temps d'en rediscuter avec les conseils de quartier sous une forme que je déterminerai, mais dans le courant du mois de janvier, donc on puisse présenter et choisir les endroits où stationner ce type de véhicule. L'autre élément important qu'il faut que vous ayez en tête par rapport à des questions qui reviennent souvent relatives à la sécurité, et c'est pour ça que cette expérimentation est aussi intéressante, c'est qu'elle laisse la possibilité aux collectivités qui se lancent dedans de paramétrer la vitesse limite dans les rues, dans chacune des rues.
Donc les véhicules sont bridés maximum 20 km/h pour les trottinettes, 25 km/h pour les vélos, mais vous pouvez décider rue par rue, alors pas trottoir rue, hein, mais rue par rue, de choisir la vitesse. Dit autrement, vous prenez la rue Pierre-Cholin, si je veux que la vitesse limite soit de 5 km/h, je paramètre et les véhicules rouleront à maximum 5 km/h. Si je veux qu'on roule à 20 km/h, on roule à 20 km/h. Donc ça nous permet vraiment d'identifier les endroits où on n'a pas envie de prendre de risques. On peut même interdire certaines rues en paramétrant la vitesse à 2 km/h. La trottinette pesant 35 kg, tous ceux qui se sont essayés à pousser la trottinette de 35 kg sur une rue à 2 à l'heure ne repassent pas. Donc on a même la possibilité de neutraliser des endroits. Donc c'est en tout cas un concept assez intéressant. On peut interrompre l'expérimentation chaque mois. Voilà, donc si jamais pour plein de raisons ça ne le faisait pas. Et j'ai souhaité qu'on teste ça parce que les communes de La Celle-Saint-Cloud et de Bougival se lancent dans l'expérimentation après Loucienne et qu'à un moment il y a un effet de territoire qui me fait qu'à tester l'expérimentation, je trouve intéressant de la tester avec nos voisins. Pour être complet, pour l'instant, la ville de Versailles n'est pas rentrée, exception faite de l'accès à la gare de Versailles-Chantier pour les gens qui viennent de Buc, parce que la ville de Buc s'est lancée depuis longtemps dans l'expérimentation. Pour l'instant, la ville de Versailles n'a pas souhaité basculer, mais elle commence à être bien entourée. Donc je reprendrai le temps évidemment de revenir très largement lors des prochaines commissions et on verra lesquelles on réunit pour réexposer la nature de cette expérimentation qui n'a évidemment aucun caractère obligatoire, qui est très encadrée, mais je redis, dans nos rues roulent aujourd'hui des vélos et des trottinettes, il y a un code de la route qui permet à ces véhicules de circuler. L'idée, c'est de voir si ce service qui est très encadré et là aussi la géolocalisation aujourd'hui très fine permet de garantir un retour dans les zones de stationnement des véhicules, parce que c'est l'autre inquiétude. Et pour tous ceux qui ont vécu l'arrivée des trottinettes et des vélos à Paris il y a 4-5 ans, d'abord la géolocalisation était beaucoup moins performante et puis les modalités d'accès étaient beaucoup plus sauvages. Et l'ancien directeur de gare peut vous en parler. Aujourd'hui, si vous ne remettez pas précisément la trottinette ou le vélo à l'emplacement, le compteur tourne. Et pour en avoir discuté avec d'autres maires avant de venir vous en parler, c'est plutôt efficace, y compris dans des villes où on pourrait imaginer que le respect du code de la route soit un peu olé olé. Je ne stigmatise personne, mais voilà. Donc c'est assez bordé, mais ça reste une expérimentation. Et voilà, je souhaite en tout cas vous la proposer. La carte qui est à l'écran est une carte évidemment indicative, hein, mais ça vous donne une idée du maillage qu'il faudra travailler pour que près de chez soi, on ait la possibilité d'eux. Et donc on reprendra le temps au mois de janvier de finaliser avec l'opérateur la nature de l'expérimentation, de bien repréciser les conditions tarifaires et je redis, le seul élément qui est à la charge de la commune, c'est la mise en peinture des lieux que nous aurons choisis pour positionner ces véhicules. Voilà, donc je voulais vraiment partager en primeur cette info. Il n'y a pas de décision, mais on reprendra le temps de discuter avec le conseil municipal en commission et avec les conseils du quartier sur la nature, le calendrier et les éléments à préciser à la fois pour vous et pour les administrés demain pour que ce service puisse être mis en œuvre. Je redis que l'expérimentation peut être interrompue tous les mois, enfin, à chaque instant avec un préavis d'un mois. Donc, si jamais pour plein de raisons, et notamment en termes d'accidentologie, mais le retour qui est fait sur 6 mois d'exploitation sur la communauté d'agglo de Saint-Germain-Boucle-de-Seine qui comporte beaucoup de communes dont la configuration urbaine est assez voisine de chez nous. Je pense à Chatou, je pense à Croissy, hein, qui sont des villes de taille équivalente avec à peu près la même structure du pavillonnaire, etc., et à peu près les mêmes infrastructures, c'est-à-dire pas des infras dédiées au mode doux, enfin, pas énormément. L'accidentologie est très faible. Il y a eu en 6 mois 6 accidents mineurs pour 200 000 déplacements, donc on n'est pas en tout cas sur quelque chose de spectaculaire en termes de d'accidentologie par rapport à ce service. Ça ne veut pas dire qu'en trottinette, en vélo, on n'est pas exposé, mais ça l'est déjà aujourd'hui pour tous ceux qui en font dans nos communes. Voilà, mais donc tous ces éléments, je les partagerai avec vous. On fera venir l'opérateur pour que vous puissiez poser les questions et que chacun puisse apprécier l'opportunité de cette expérimentation. Et je le redis, comme toutes les expérimentations, si elles ne donnent pas satisfaction, on l'interrompt et ça ne nous aura coûté qu'un peu de mise en peinture et de démise en peinture si jamais il fallait en arriver là. Voilà, donc on reprendra le temps de discuter, Madame Alquier. Quelles sont les villes qui sont déjà en cours d'utilisation? Alors, on va remettre les cartes autour de chez nous. Donc tout Saint-Quentin-en-Yvelines, toute la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-Boucle-de-Seine. Est-ce qu'on peut remettre la carte qui est voilà. Vous voyez. Bleu, là, et aujourd'hui, pour des raisons qui ne m'appartiennent pas de juger, la communauté d'agglo de Versailles-Grand Parc n'a pas souhaité y rentrer en masse.
Par contre, il y a la moitié des communes qui rentrent à titre individuel. Voilà. Donc, mais tout en même temps, si j'ai bien compris. Pas complètement. 2023, non, 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 non. Saint-Cyr-l'École opère déjà. D'accord. Buc opère déjà. Donc, si vous voulez aller voir en vrai, oui, voilà. Louveciennes opère déjà, même s'ils ne sont pas chez nous. La Celle-Saint-Cloud et Bougival y rentrent le mois prochain. Et reste, voilà, reste Versailles. Alors, je ne porte pas de jugement, mais c'est vrai que Versailles est sans doute la ville qui a les plus belles pistes cyclables de tout l'Ouest parisien. Voilà. Après, il y a des appréhensions. C'est pas, voilà, ce sera peut-être mon job d'en reparler avec mon homologue pour l'aider à lever ça. Mais c'est, voilà, c'est, je respecte évidemment sa décision. Moi, je souhaite un moment qu'on puisse tester, voir s'il y a un public ou pas pour ça. Je suis honnêtement incapable de vous dire si ça va rencontrer son public ou pas sur une commune comme la nôtre. Mais je trouve en tout cas la dimension paramétrage de la vitesse est quand même extrêmement intéressante. Et pour ceux qui testeront la trottinette, on est sur 35 kg, c'est de la grosse trottinette. On est vraiment sur la trotte adulte. C'est beaucoup plus gros que les trottinettes les plus luxueuses que vous pouvez trouver d'Arty pour ceux qui achètent des trottes haut de gamme. On est sur vraiment un véhicule qui est costaud. Le vélo assistance électrique en libre service, celui-là, il est plus classique. C'est aussi l'occasion de permettre à des gens de tester sans acheter tout de suite un véhicule qui coûte aujourd'hui quoi, 2 500-3 000 euros. Un véhicule, donc là, vous savez que l'expérimentation de la région fonctionne très bien, mais elle est un peu contraignante. Et donc là, ça permet à des gens de dire, OK, ben pendant un mois, je prends l'abonnement, je vois si c'est sympa ou pas. Et donc, on peut utiliser le vélo ou la trottinette. Ce qui remonte de l'opérateur, c'est qu'aujourd'hui, l'utilisation qui est faite par les gens qui souscrivent au service, elle est très majoritairement autour de la trottinette, dans une proportion 80-20. Mais ça, c'est la réponse des utilisateurs au service qui est proposé. Voilà, donc je partage avec vous. On prend le temps vraiment de revenir le mois prochain sur la nature et le périmètre de l'expérimentation. Et puis, si on est tous en termes de calendrier, on pourrait opérer à partir du mois de mars, pour okay. vous donner un élément de calendrier. Bon, disons qu'on a déjà des trottinettes dans la ville et oui. on a quand même déjà un effet de dangerosité. Je l'ai vécu moi-même. Je comprends. Donc voilà. Non, 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 donc, mais il y a un vrai sujet quand même. C'est pour ça que c'est une expérimentation et c'est pour ça que, en tout cas, celle-là, avec les trottinettes qui circulent aujourd'hui, on ne peut pas paramétrer la vitesse. Celles qui seront là, c'est nous qui déciderons de globalement par où elles passent et à quelle vitesse elles roulent. Mais bien sûr, voilà. Mais aujourd'hui, quand on fait du vélo, on prend déjà ces risques-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur les décisions qui ont été prises? Madame Bilger. C'est l'occasion d'une demande plutôt d'information. C'est sur la dernière, je crois, décision, la 19. C'est concernant Easy Park. Le rachat donc, de Park Now par Easy Park. Il semble qu'il y ait actuellement un certain nombre de dysfonctionnements. C'est, donc, ce que je souhaiterais, c'est un point d'information, s'il vous plaît, puisqu'il semble que certaines personnes aient modifié déjà leur application et que ça leur pose problème, etc., etc. Donc un point d'information, s'il vous plaît. Alors, je ne suis pas sûr, moi, de pouvoir le faire parce que j'ai vu le message sur le site de la ville cet après-midi, pour être complètement honnête. Et comme j'ai Pay by Phone sur mon téléphone et que Pay by Phone est enfin accessible aux généraux concours, j'avoue que lâchement, j'ai basculé sur Pay by Phone. Et donc, j'ai payé mon stationnement cet après-midi. Voilà. Mais je n'ai jamais téléchargé EasyPark. Donc, à moins que les services aient des éléments d'information, je vous demanderai un peu de mensuétude. On revient vers vous dès que possible. Non, bah, c'est surtout pour les administrés, en fait, qu'il n'y ait pas de verbalisation. Non. Ça a été indiqué sur le site de la ville, mettre un mot, etc. Mais voilà, okay. mais ils mettent un mot, mais le message était assez clair. Okay. Donc, on revient vers vous rapidement. Merci. Je vous en prie. Si pas d'autres souhaits d'intervention, je vous propose de passer aux trois questions diverses. La première, c'est celle de M. Châtelut, mais il faut que quelqu'un s'y colle. Voilà, j'y répondrai bien. Non, je vous en prie. Alors, l'hôpital Mignot a été la cible d'une cyberattaque importante il y a quelques jours. Nous tenons à saluer tout d'abord l'engagement de tous, soignants et personnels administratifs, qui se sont mobilisés pour maintenir les soins et le fonctionnement de l'hôpital, en assumant de surcroît de travail manuel que cette situation engendrait. Et nous avons aussi une pensée pour tous les patients qui en ont subi les conséquences, notamment ceux qui ont dû être transférés dans d'autres hôpitaux ou dont les opérations ont dû être déprogrammées, et aussi les bébés en situation fragile qui ne peuvent être suivis de façon optimale. En tant que maire, vous êtes coprésident du conseil de surveillance de l'hôpital Mignot. Pourriez-vous répondre aux questions légitimes qui se posent sur la sécurité de l'hôpital ?
Alors, quelle est la politique de sécurisation de l'hôpital qui a montré sa vulnérabilité? Il a été dit que l'hôpital avait déjà subi des alertes à plusieurs reprises. Quelles mesures avaient été prises après ces alertes afin de réduire son exposition au piratage? Y avait-il une personne en charge de la sécurité des systèmes d'information? Quelles données ont-elles été dérobées? Ont-elles été divulguées? Au-delà de la confidentialité, quel est le risque de perte définitive de ces données? Quand l'hôpital retrouvera-t-il un mode de fonctionnement normal? Et quels enseignements et quelles décisions ont-ils été pris après cette attaque? Bien, je vais essayer de répondre rapidement. Pourtant, j'ai fait du média training toute la journée de lundi. Donc, si vous m'avez raté, c'est que vous ne m'aimez pas du tout. J'ai écumé raté, tous les plateaux. Donc, les questions sont légitimes, mais vous comprendrez que je ne répondrai qu'à une partie des questions. L'hôpital, on l'a dit, aujourd'hui, tourne au ralenti. Globalement, tout ce qui relève des applications liées aux soins est plutôt préservé, y compris le robot, pour donner un exemple assez emblématique. À un moment, on ne peut pas prendre le risque d'opérer avec un robot qui irait à gauche quand on lui dirait d'aller à droite. Mais l'hôpital a perdu toute sa messagerie, a perdu tous ses moyens de télésurveillance, la capacité qu'un soignant a à surveiller plusieurs patients en même temps parce qu'il y a des répétiteurs. Les répétiteurs sont en cours de réinstallation, donc ça permet de soulager un peu les effectifs. La messagerie, on a remis des boîtes mail, mais je vous laisse imaginer dans un univers professionnel, si je vous éteins votre boîte mail, que je vous en ouvre une autre, vous n'avez plus vos archives, voilà, vous avez perdu beaucoup de données. La première étape d'une forme de retour à la normale, compte tenu de ce qu'a été l'attaque de l'hôpital de Corbeil, attaque à peu près d'une intensité similaire au mois d'août. Il va y avoir entre 2 et 3 mois avant une forme de retour à quelque chose d'un peu moins pénible que ce qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est crayon papier. À l'heure où on se parle, l'hôpital de Corbeil, il n'a pas retrouvé la plénitude de ses moyens informatiques. On est 6 mois après, donc ça vous donne une idée de la profondeur de temps pendant laquelle l'hôpital va tourner un peu au ralenti. La question qui va se poser, puisqu'évidemment l'attaque témoigne de la vulnérabilité du système et de l'architecture informatique de l'hôpital, c'est est-ce qu'on construit la même chose ou est-ce qu'on en profite pour reconstruire quelque chose de plus performant? Et ça tombe bien, l'hôpital venait de se faire livrer son audit de sécurité informatique par l'ANSSI, donc la feuille de route, ils l'ont. A priori, les moyens financiers, la RS est engagée à ce qu'il les ait. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui s'ils seront capables de reconstruire très rapidement un nouveau système beaucoup plus sécurisé. Mais évidemment, s'ils avaient la main, c'est ce vers quoi ils tendraient. Le truc, c'est qu'il faut faire tourner l'hôpital pendant ce temps. Les malades sont toujours là. Les personnels sont plutôt résilients, mais ils sortaient de 2 ans de Covid. Là, on est encore dans le feu de l'action. On est 10 jours après l'attaque. Il y a une vraie inquiétude à ce qu'arrivé au moment des fêtes de fin d'année, une forme de décompression, que tous les gens qui sont venus, entre guillemets, aider, eux vont partir prendre des vacances et l'hôpital va devoir tourner. Et donc on s'inscrit plutôt dans une course de fond où il va falloir que les équipes à la fois continuent à assurer le service de manière un peu dégradée et commencent à imaginer la nouvelle structure informatique qui leur permettra d'être mieux protégés demain. L'hôpital est évidemment une direction des services d'information avec un DSI qui est là depuis 4 ans. C'est une chance, on a une équipe de direction qui est en place depuis maintenant 3 ou 4 ans, donc qui connaît très bien son hôpital. Ça aurait été beaucoup plus compliqué avec un changement d'équipe 2 mois avant l'attaque. Donc ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais on part pour 6 mois avec un hôpital qui va tourner un peu au ralenti. On a indiqué la semaine dernière des chiffres d'une réduction de voilure de l'ordre d'un tiers à la maternité. Ils ont plutôt tourné à 90% cette semaine. Alors la maternité, ce n'est pas linéaire. Hein. La charge de travail, en fonction des mamans. Les urgences tournent clairement au ralenti, mais elles ne sont pas fermées. Mais l'idée, c'est de les protéger au maximum. Après, vous connaissez comme moi la situation est sanitaire. C'est-à-dire qu'on a terminé la bronchiolite. C'est le seul élément positif de la semaine, mais on est encore avant le pic de la grippe et avant le pic de la 9e vague de Covid qui est plutôt attendue pour Noël. Donc il y a 2 pics qui arrivent en même temps. Donc les urgences, elles vont quand même être très occupées par ces 2 épidémies et pandémies. Les hôpitaux qui peuvent soulager sont pleins. Donc pas la peine de vous dire qu'il n'y a pas des centaines de soignants qui peuvent venir aider Mignot. Il y a une très belle mobilisation le week-end de l'attaque qui a permis notamment de diagnostiquer l'état des patients qui ne pouvait pas rester à l'hôpital et qui a permis de désigner les trois bébés et les 3 adultes qu'il a fallu évacuer dimanche parce qu'on considérait que compte tenu de la progression du virus informatique, il n'était pas raisonnable de les garder à l'hôpital. On n'a pas eu d'autres déplacements à faire. Et aujourd'hui, la progression du virus est stabilisée. On va entamer un long travail d'identification de la présence ou non du virus informatique dans les datas.
Et donc, on verra ce qu'on peut remettre dans le circuit sans risque. Et puis, dès qu'il y aura l'ombre d'un risque, eh bien, c'est ressaisi manuel de beaucoup de données. Donc, ça prend du temps homme. Voilà. Sur la question de qui attaquer, il n'y a pas eu de carte de visite. Je doute d'être personnellement informé de la réalité de l'enquête. Après, elle a été confiée à un service spécialisé de la gendarmerie, le Comcybergendarmerie. Ce qu'on sait a priori, c'est que ce n'est pas le même virus que celui qui a été utilisé à Corbeil. À la question, y a-t-il une demande de rançon ? Oui, mais pas parce qu'on fait l'attaque. Et de toute façon, on ne la paierait pas. Voilà, donc les dégâts sont là, donc c'est même pas un sujet. Là, la priorité, ça va être à la fois de permettre aux équipes de faire tourner l'hôpital sans lâcher prise. Et on pourrait comprendre que pour plein de raisons, ils ont envie de lâcher prise. Ils ne sont pas du tout dans cet état d'esprit. Ils sont même d'ailleurs, ils inquiètent un petit peu par leur vitesse de reprise. L'Agence régionale de santé qui a en tête la vitesse à laquelle Corbeil a remonté, ils trouvent que Mignot remonte peut-être un peu trop vite. Donc l'idée, c'est plutôt de se dire, voilà, le retour à la normale, c'est pas la semaine prochaine, donc vous y allez crescendo. Après, vous savez comme moi que toute opération qui était programmée, il faut la recaser, et ils ont tous vécu ça pendant le Covid, donc on peut comprendre l'envie de revenir le plus vite possible à la normale pour pas accumuler du retard. Parce que les situations de déprogrammation deviennent des situations d'urgence du mois d'après. Voilà, donc ils ont tous le Covid comme en retour d'expérience et ils savent ce que ça veut dire de tout déprogrammer. Donc on peut comprendre cette volonté de revenir vite à la normale. On va le prendre positivement, ça veut dire que les équipes sont présentes. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut surtout pas faire n'importe quoi en termes de sécurité informatique en voulant voilà, monter des systèmes parallèles. C'est pas la bonne idée. Et donc on va autant que faire se peut les accompagner, au moins moralement, parce que malheureusement... en dehors de partager de l'information et de rappeler évidemment encore plus que d'habitude que ce n'est pas le moment de se pointer aux urgences. Les urgences accueillent quand vous vous présentez physiquement. Globalement, les urgences adultes, on arrive à les réguler. Ce qui est très difficile à réguler, c'est les urgences pédiatriques parce que les parents se pointent physiquement avec leurs enfants. Alors, on peut le comprendre. Mais les urgences pédiatriques, avant l'attaque, elles tournaient déjà à 200% de leur capacité. Là, elles tournent à 100% de leur capacité, mais avec des moyens techniques qui sont plutôt ceux de l'ERTF que ceux d'aujourd'hui. Voilà, donc il va falloir un peu s'armer de patience, être évidemment solidaire. Moi, je veux saluer le fait que l'hôpital, le lundi, qui a suivi l'attaque, c'est-à-dire 24 heures après, oui, mais le dimanche était encore relativement calme. Le lundi, vous savez, c'est le jour de reprise, mais l'hôpital, il a délivré 70% de son service une journée après l'attaque, alors qu'il n'y avait, là, pour le coup, aucune boîte mail d'ouverte. Les boîtes mails, elles ont commencé à les rouvrir mercredi. Pour l'anecdote, c'est assez amusant de voir que l'ARS s'étonne de temps en temps que l'hôpital ne réponde pas alors qu'ils n'ont plus de boîtes mails. Voilà, pour vous dire qu'à un moment, ça revient vite à la normale. Et leur crainte, c'est aussi que l'écosystème qui les entoure considère que bon, l'hôpital tourne et puis bon, votre histoire d'informatique, c'est bon, mais quand est-ce que vous revenez à la normale ? Ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais l'hôpital n'est pas tombé. Il aurait pu tomber si la biologie avait été touchée, parce que sans biologie, plus de possibilité de faire des examens à l'hôpital. Et là, ça aurait vraiment, vraiment posé d'énormes problèmes. Après, on va se le dire gentiment, il ne faut pas qu'il y ait une attaque de même ampleur sur un autre hôpital parisien dans les jours qui viennent. Parce que là, ça va être très compliqué pour toute l'Île-de-France. Voilà, mais ce n'est pas un secret. Hein. Voilà, j'espère que chacun des acteurs, et notamment les responsables de la sécurité informatique au niveau national, prendront les décisions et mettront les moyens pour permettre à nos hôpitaux qui sont devenus des cibles d'être moins vulnérables qu'ils ne le sont aujourd'hui. J'en profite pour passer un petit message, parce qu'évidemment, le lendemain de l'attaque, on a fait une petite réunion en mairie. Parce que vous savez que les collectivités sont aussi des cibles, le CIG l'a été, la commune de Houille. Donc on termine aussi notre audit de sécurité informatique. Martial Prado, qui a cette délégation, nous a réalité sur les premières préconisations de l'audit, et notamment sur la politique des mots de passe. On n'a pas attendu la restitution de l'audit pour durcir très fortement. Alors, ça fait juste un an et demi qu'on se bat avec l'ensemble de nos collègues, mais là on profite des circonstances pour rappeler des règles de bon sens, hein, et ça vaut pour vous à titre individuel et dès qu'on est en réseau, pour se dire que les portes d'entrée des virus, on est les premiers à les laisser rentrer. Voilà ce que je pouvais partager avec vous sur ce sujet. Deuxième question, c'est toujours vous, madame. Toujours moi. Oui. Alors, de nombreux riverains de la rue de Glatigny et de la rue de Vaucresson se sont exprimés lors des derniers conseils de quartier concernant les nuisances importantes générées par vos décisions et ont réitéré leur demande de changement pour améliorer la situation. Rue de Vaucresson, le sens interdit que vous avez placé entre le rond-point de la rue de Montespan et l'avenue de Vaucresson sans aucune concertation enclave complètement la rue de Vaucresson et oblige les habitants à rallonger fortement la distance et le temps de circulation pour aller travailler.
Même les habitants de la rue Sainte-Claire ont exprimé leur mécontentement sur ce sujet. Une pétition signée par les habitants vous a été adressée en juillet 2022, à ma connaissance, restée sans réponse. Rue de Glatigny, les habitants de la rue de Glatigny, entre la place Laboulaye et le croisement avec l'avenue de Bellevue, subissent d'importantes vibrations dans les habitations générées par le passage des quatre lignes de bus. Depuis le démarrage des travaux d'enfouissement des réseaux, démarrés en février 2022 et toujours pas terminés, la gêne occasionnée par ces secousses permanentes altère de manière significative la qualité de vie des habitants et met en péril la structure des habitations. Il est reconnu que la rue de Glatigny n'est pas en capacité de supporter la charge de roulement de tous ces bus sans dommage. Il vous est demandé de procéder au renforcement de la chaussée après un diagnostic technique sérieux et d'alléger le nombre de bus passant dans la rue. Une pétition vous a été adressée par les riverains. Il y a 30, pratiquement toutes les maisons de la rue qui représentent 112 personnes. Peut-on compter sur votre discernement pour enfin prendre les actions demandées qui s'imposent pour remédier à tous ces désordres qui affectent le quotidien de nos concitoyens? Bien, alors je vais essayer de répondre rapidement aux deux sujets parce qu'ils sont un peu distincts. Première question de méthode. Je sais bien que il y a des gens qui sont fans des pétitions, c'est pas forcément le meilleur moyen de s'adresser au maire. Surtout quand on n'a pas pris le temps de prendre rendez-vous, et à ma connaissance, aucun des riverains concernés n'a pris le temps de prendre rendez-vous, et je reçois ce rendez-vous. Je termine, madame Malquier, je vous écoute avec attention, mais laissez-moi le temps de répondre. Voilà, donc je crois avoir vérifié, j'ai pas eu sur ces sujets de demande de rendez-vous, et Dieu sait que sur les bus, j'ai reçu beaucoup de personnes sur rendez-vous depuis le début de la mandature. Donc ça, c'est une question de méthode. Et je redis, il y a des rues où il y a des associations de quartier, enfin des associations qu'on reçoit régulièrement. Je l'ai encore fait hier soir, et on arrive à parler de tout calmement, même du SDMU. Même du SDMU. Oui, donc je pense qu'il y a un petit sujet de méthode. Donc faut aussi comprendre que quand le premier point de contact, c'est une pétition, et puis les pétitions, elles ne sont jamais spontanées, elles sont quand même en général organisées, je ne suis pas complètement naïf, pas forcément le truc qui incite à prendre contact. Et puis quand il y a 150 personnes, je ne peux pas recevoir 150 personnes, donc je repasse le message, j'en profite. Hein, c'est plus simple de prendre rendez-vous avec le maire ou avec les élus sur le sujet. En tout cas, sur ces questions, je vais revenir vers les administrés. Un petit mot sur la rue de Vaucresson. La décision qui a été prise, je ne dis pas qu'elle est gravée dans le marbre, mais elle était liée au fait qu'aujourd'hui, pour maintenir ce petit bout à double sens, ça oblige les voitures à se garer sur le trottoir, sur l'intégralité du trottoir, donc ça oblige les piétons à marcher dans la rue. Je sais bien qu'il y a beaucoup de rues dans le pavillonnaire qui s'accommodent de ces pratiques, mais à un moment, soit on se remet dans le droit commun et le trottoir il est réservé aux piétons et on ne laisse pas les voitures durablement installées là-dessus pour qu'elles puissent se croiser. Et vous pouvez tourner la tête, mais la rue Saint-Joseph dont on parlait tout à l'heure, qui est une rue à double sens, ça laisse quand même rêveur parce que déjà sens unique elle est étroite. Si vous voulez circuler, il faut que les voitures soient sur les trottoirs. Elles le sont tout le temps, on peut aller vérifier en repartant ce soir. Donc on laisse faire depuis très longtemps des choses qui sont juste illégales. Voilà, donc à un moment, il y a une réponse apportée par les services pour permettre la circulation du vélo et le maintien du stationnement en respectant le code de la route. Et c'est ça qui a présidé à la mise en sens unique, pas l'envie d'embêter les gens. Le détour que ça oblige, il a été comptabilisé, c'est un détour de 200 mètres. Alors certes, on ne passe pas par les mêmes rues. Vous me signalez qu'effectivement, les rues qui accueillent le trafic ne sont pas contentes, mais vous ne me signalez pas que les rues qui accueillaient le trafic avant sont sans doute plus contentes d'avoir moins de monde dans leur rue. Voilà. Donc, comme toujours, hein, quand on bloque un sens de circulation, on passe par ailleurs. Voilà. Mais on n'est pas en train de faire un détour monstrueux. Bon, mais on en reparlera et je recevrai les riverains pour partager avec eux leur ressenti. Sur la rue de Glatigny, je ne vais pas revenir sur la refonte du réseau de bus. Je rappelle simplement que dans cette rue, vous le savez mieux que moi, Madame Alquier, il y a toujours eu des bus. Il y a eu la ligne H avant, elle s'appelle 2 aujourd'hui. Mais il y a depuis 20 ans, en tout cas depuis que je suis au Chesnay, il y a toujours eu des bus dans cette rue. Voilà. Vous indiquez qu'il est reconnu que la rue de Glatigny n'est pas encore, je ne sais pas par qui, mais pas par moi et pas par les services. Donc vous indiquez qu'il est reconnu. Ben, je ne crois pas que vous soyez plus experte que moi en matière de structure, mais je vous dis, ça fait plus de 20 ans que les bus circulent dans cette rue. Voilà, donc on l'entretient, on est en train de la rénover, mais jusqu'à présent, en tout cas, personne d'autorisé ne m'a indiqué que cette rue n'était pas en capacité d'accueillir du trafic de bus. Et je rappelle que c'est juste dans un sens, pas dans les deux. Voilà, donc mais c'est pareil, je recevrai qui veut me rencontrer sur le sujet. Voilà, mais je voulais revenir sur ces deux points, dire que ces décisions, elles ne sont pas prises à la légère et que le mode de communication par pétition ne me paraît pas
le plus efficace. Je ne dis pas que, voilà, que ce n'est pas nécessaire pour le moment, mais comme préalable à la discussion, ça ne met pas vos interlocuteurs dans les meilleures dispositions. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet, Madame Alquil. Je répondrai qu'on en a parlé souvent avec Madame Majou, donc on ne peut pas dire qu'on n'en a pas parlé. Les conseils de quartier se sont exprimés. Je pense que quand même, Monsieur Consdorf sera de bonne foi, et même Madame Charpentier, pour dire qu'on en a quand même parlé longuement. Beaucoup d'habitants sont venus s'exprimer. Beaucoup d'habitants ont pris directement rendez-vous avec les services techniques, et Monsieur Rospini a eu la gentillesse de venir rencontrer un certain nombre d'habitants. Donc on ne peut pas dire qu'on a fait, enfin, on a communiqué, on a essayé de communiquer, mais bon, alors si ça ne remonte pas, je ne sais pas. Mais le problème, effectivement, il y a un problème. Des personnes de Transdev qui sont venues l'ont d'ailleurs confirmé. Je ne vous dirai pas qui, mais il y a des personnes qui sont venues de Transdev. C'est bien que vous disiez qui à ce moment-là. Voilà, je suis honnête. Donc, il y a un vrai sujet. J'espère que M. Rospini pourra en témoigner. Il y a quand même un vrai sujet. Donc, merci d'essayer de régler le... On ne peut pas continuer à vivre comme ça, monsieur le maire. Et il faudra, Madame Alquier, accepter que les bus circulent dans cette ville. Peut-être pas quatre lignes. Il y en a une qui est structurante. Oui, on peut les garder la structurante, mais il y en a au moins deux qui n'étaient pas là avant et qu'on pourrait délester ailleurs. Bah, écoutez, il faut partager la charge. Bah, écoutez, je note. Monsieur le maire. Oui. Rapidement. Oui. Parce que pour l'instant, on peut tenir le challenge. D'accord. Mais si vous voulez une précision sur la rue Glatini, effectivement, je me suis rendu voir les riverains, d'ailleurs. On a refait la partie haute qui était la plus dégradée dans le diagnostic voirie 2020 et qui n'avait pas, effectivement, de traversée. Et dans le conseil de quartier où j'étais présent, j'ai dit qu'on allait examiner, effectivement, les études préalables à éventuellement une réfection de chaussée pour savoir exactement ce qu'on allait faire. Et je vais l'enclencher conformément à mon dire au comité de quartier en présence de Madame Violette Charpentier. Alors après, la pétition, je l'ai découvert ces jours-ci, je n'en avais pas connaissance. Voilà, merci. Merci. Troisième question. Et c'est Monsieur Tabary qui s'y colle. On va faire ça rapidement. Merci, monsieur le maire. Nous aussi. Les habitants des conseils de quartier Aubert et Fausse-Repose ont fait part de leur mécontentement vis-à-vis des aménagements réalisés dans le parc Aubert et la forêt de Fausse-Repose, à savoir le Canipark et les agrès installés sur la fosse aux loups. Non seulement ces aménagements ne correspondent pas à la demande formulée par les habitants, qui sont devant le fait accompli, mais ils sont caractérisés par la dangerosité. Pourriez-vous revoir ces aménagements en vous inspirant, par exemple, de ce qui a été fait à Sceaux pour la zone de divagation des chiens, ainsi que repenser un vrai parcours sportif dans le bois des fonds maréchaux. Merci. Merci. C'est Monsieur Ribert qui vous répond. Je vais essayer d'être concis, très concis. Bon, oui, c'est ça. Bon, dangerosité, je pense que vous faites référence, j'espère, non pas à ce qu'il y avait avant, mais plutôt au fait que, en fait, la semaine dernière, on a eu un vandalisme sur le Canipark, donc des gens ont arraché les palissades, les ont volés, il y avait deux clous qui dépassaient le matin et l'après-midi, c'était réparé. Donc ça n'a pas duré longtemps. Les habitants, je mettrais plutôt des habitants, hein, parce que nous, on a des échos contraires. Et donc, je vais faire d'abord les fonds maréchaux. Fonds maréchaux, on avait effectivement un parcours sportif, comme ça se faisait dans les années 80-90, qui était en décrépitude complète, mal soit dangereux, soit pas entretenu. On est sur les terrains de l'ONF, comme je vous l'ai rappelé hier en commission. Donc on ne fait pas ce qu'on veut. L'ONF nous a rappelé qu'elle ne voulait plus de parcours dit sportif à l'intérieur de la forêt parce que ça créait des désagréments à la fois pour la faune, la flore, mais aussi des papiers et autres qui tombent. Donc la proposition, il y avait deux propositions. Une, c'était de faire un petit parcours. Bah, de toute façon, pour moi, ça s'appelle un parcours sportif. Mais après, on ne va pas épiloguer sur le mot. Mais donc un parcours sportif qui était uniquement le long du chemin, donc en ligne droite. Voilà, vous arriviez au bout et vous étiez en bout de ligne. Et puis, donc, finalement, d'avoir aussi un cœur travaillé à l'intérieur aujourd'hui de Fausse Repose. Les services et les élus concernés ont effectivement considéré que la solution en long n'était pas satisfaisante et que puisqu'il n'y avait pas 36 millions, il fallait partir sur une solution qui était... qui permettait d'avoir un nouveau parcours sportif, certes sur un mode de fonctionnement différent, mais les gens peuvent toujours courir et faire ensuite quelques agrès. Donc ça, c'est pour le parcours sportif. Pour le Canipark, alors, effectivement, le parc de Sceaux, c'est magnifique. Hein. Juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 180 hectares. Hein, voilà, et le parc à chiens, lui tout seul, il en fait 8. Alors, s'en inspirer, bien volontiers. Le parc Aubert fait 6 hectares et demi, donc 8 hectares. Bah, moi, je veux bien, moi, je n'ai pas de chien, mais...
Je pense que si on dit à tout le voisinage qu'on va condamner le parc Aubert, qu'il est uniquement un espace de divagation, ça risque de râler un petit peu. Je rappelle que pourquoi il y a des parcs à chiens depuis 15 à 20 ans maintenant en France et depuis presque 50 ans au Canada. Les chiens sont interdits d'être tenus... Ils ont interdiction de divaguer dans tout espace de la ville, parc et jardin. Alors, il faut qu'ils soient tenus en laisse. Donc si on veut sociabiliser, faciliter et lâcher les chiens, le seul système qui fonctionne, c'est les parcs canins. Il fait 900 mètres carrés. À terme, on aimerait bien en faire un plus grand, mais on a quand même une des villes les plus denses des Yvelines si on enlève les espaces forestiers. Donc trouver des grands espaces, c'est compliqué. On peut toujours faire plus grand, mais sachez qu'il y a beaucoup plus petit. Vous avez des espaces comme à Vanves, où ils font 230 mètres carrés. Les associations de protection animale sont très contents. Poissy a inauguré il y a 15 jours un espace de 350 mètres carrés. Donc on peut faire mieux, on essaiera de faire plus grand au niveau de la part de Saint-Antoine, entre autres, mais aujourd'hui, 900 mètres carrés pour partager les espaces entre les gens, les animaux ou autres, c'est satisfaisant, c'est une expérimentation. Si ça fonctionne, tant mieux, parce que les gens qui ont des appartements, et je pense aussi aux gens, parce que le quartier Aubert a la chance, en partie nord, d'avoir beaucoup de jardins, et donc finalement de savoir et de pouvoir lâcher son chien. Il y a quand même beaucoup de gens ici qui vivent en résidence et en appartement, même un petit espace pour pouvoir lâcher son chien, c'est confortable. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Et bon match. Bien. Alors, avant de vous libérer, donc, je vais vous souhaiter à toutes et à tous de belles fêtes de fin d'année, puisque nous ne nous reverrons au conseil municipal que le 8 février. En espérant que le dédigne démocratie n'a pas été trop important, Madame Bilger, vous conviendrez quand même que voilà, on a débattu. Ça va quand même permettre à ceux qui aiment le foot d'être devant leur télé d'ici 10 minutes. Et pour ceux qui ont froid, de se réchauffer. Merci à toutes et à tous et très belle fête de fin d'année. À bientôt.